Ben, c'est difficile de parler du mouvement EDI parce que l'idéologie derrière le mouvement est en quelque sorte masquée derrière une façade vertueuse. Excusez-moi, là, je reçois des notifications, donc c'est fait. Donc, l'idéologie masquée derrière une façade vertueuse, pour faire court, là, on peut tracer un parallèle très clair avec les sectes, hein, qui se présentent jamais de front, mais d'abord comme des mouvements d'aide ou de développement personnel. Un exemple, la scientologie, vous pointez, on vous donne des conseils de sur votre développement personnel et ainsi de suite. Puis, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, vous avez d'importantes dettes une secte contrôle votre vie. Donc, dans le cas de l'EDI, c'est vraiment le paravent présentable des théories critiques, hein, théories critiques de la race, théories critiques du genre et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en apparence, le mouvement EDI, Équité, Diversité et Inclusion, c'est un mouvement de justice sociale qui se présente comme étant, si on veut, porté par un triple idéal, celui de s'assurer que tous puissent recevoir un traitement et des chances équitables, qu'on favorise la diversité et évidemment l'inclusion. Donc, le mouvement il vise essentiellement à éradiquer toute forme de préjugés, de discrimination sur la base de la couleur de peau, d'origine, du sexe, du genre ou ainsi de suite. Alors, si c'était que ça, franchement, y a rien à... on ne serait pas ici ce soir, hein, parce que je pense que toute personne raisonnable ne devrait avoir rien à dire. Au contraire, devrait encourager ce type d'initiative. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a tant de succès, parce qu'on imagine que c'est ça. Alors, il y a un certain nombre de choses. Il y a une particularité de ce mouvement. D'abord, sa très forte institutionnalisation. Il faudrait d'ailleurs peut-être arrêter de parler de mouvement, puisque ça n'en est plus un, mais je n'ai pas trouvé d'autres formules. C'est que, en plus, comment dire, c'est institutionnalisé en ce sens que, de plus en plus d'institutions payent des gens à temps complet pour faire de la formation EDI, pour revoir les pratiques des entreprises, et de leurs institutions, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas le temps d'en parler, là, mais le mouvement EDI s'institutionnalise essentiellement de trois façons différentes. D'abord, des universités, des ministères, des ligues sportives, peu importe, décident de mettre sur pied des bureaux ou des pratiques EDI de manière proactive. Ou, deuxième manière, et ça, c'est très fréquent, il y a une crise qui éclate, et là, on a une crise à gérer, on crée un bureau EDI, on adopte des pratiques EDI pour répondre à la fameuse crise, peu importe quelle qu'elle soit. Ou troisième possibilité, et ça joue beaucoup derrière moi, une pression extérieure qui oblige les institutions à créer des bureaux EDI ou à revoir leurs pratiques sous peine de perdre du financement. Bon, vous le savez, là, c'est dans les journaux. Les organismes subventionnaires demandent qu'on mette en place des mesures EDI sous peine de perte du financement. Donc, en quoi le mouvement EDI est-il dangereux? Ben, pour le comprendre, il faut aller aux sources intellectuelles de ce mouvement. Et là, je vais le faire de manière assez schématique. Mais pour faire simple, la source intellectuelle principale du mouvement sont les théories critiques ou de la déconstruction, ce que les Américains appellent la French Theory. Puisque, effectivement, là, il y a plusieurs des maîtres à penser de ce mouvement qui sont français, qu'on pense à Lyotard, Jacques Derrida ou à bien d'autres. Mais le gros morceau, le vrai maître à penser, c'est vraiment Michel Foucault, là, dont les travaux vont fortement inspirer ceux qui vont développer ses thèses. Et la particularité de la pensée de Michel Foucault, et là, je suis conscient de ne pas rendre justice à la pensée de cet auteur, c'est que son œuvre est portée par une sorte de fil conducteur qui ressemble à peu près à ceci. Toute pensée humaine, toute pratique, toute institution sociale procède toujours, fonctionne toujours selon une valorisation arbitraire qui n'a d'autre finalité que d'instaurer une hiérarchie au profit de ceux ou de celles qui procèdent à cette valorisation. Donc, la formule est un peu complexe. Je la répète juste pour qu'on la comprenne bien, là. Toute œuvre, toute pensée humaine, toute pratique, toute institution sociale procède d'une valorisation arbitraire qui a d'autres finalités ou d'objectifs, d'instaurer une hiérarchie de domination, hein, au profit de ceux qui procèdent à cette valorisation. Et donc, spontanément, je vous donne un exemple. Vous et moi, là, spontanément, on est capable de reconnaître la différence entre quelqu'un qui agit de manière rationnelle et quelqu'un qu'on dira être fou. Hein, la différence entre la rationalité et la folie semble aller de soi. Pour Foucault, il n'y a strictement rien
qui peut nous permettre de faire cette valorisation, hein, que ce soit une source extramondaine, par exemple, comme Dieu, ou une loi naturelle, ou peu importe, qui pourrait nous permettre d'établir la différence entre le fou et le Saint-Esprit. À la vérité, pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Donc, à la vérité, le fou n'existe qu'à partir du moment où l'on décrète de manière arbitraire ce qui est un être humain normal, et ça, dit Foucault, on le fait dans l'humanisme, par exemple, ce qui va donc par la suite rendre possible d'exclure certains humains de cette définition, puis ensuite de justifier l'oppression du fou, donc son enfermement, par exemple. Bref, pour faire très simple, l'oppression provient essentiellement des histoires que les êtres humains se racontent, et ces histoires sont des sortes de voiles qui masquent ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des rapports de domination, toujours des rapports de domination. D'où la nécessité de la déconstruction, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, il s'agirait donc de toujours déconstruire ce que l'on tient pour vrai, ces histoires qu'on se raconte, parce qu'elles ne servent toujours au final qu'à opprimer quelqu'un. Et Foucault va essentiellement répéter le même modèle dans sa carrière. Là, j'avais beaucoup d'exemples, mais je vais vous parler des émules, parce que les émules sont beaucoup plus intéressantes que le maître. Parce que si vous étudiez les émules de Foucault, c'est toujours le même processus. C'est extraordinaire, allez regarder, allez, c'est fabuleux. Donc, vous trouvez une norme. D'ailleurs, c'est un conseil. Hein, si vous voulez faire carrière à l'université aujourd'hui, là, vous procédez comme ça, c'est un doctorat assuré, puis une carrière avec des prix. Voici ce que vous faites. Donc, vous trouvez une norme qui va de soi pour tout le monde, vous la présentez comme une oppression arbitraire et vous appelez évidemment, ce sera votre carrière, à déconstruire cette norme. Donc, je vous donne un exemple tout simple, les fat studies. Alors ça existe, c'est pas des blagues. Il y a maintenant partout aux États-Unis des programmes de fat studies qui visent essentiellement à montrer comment le discours que la société porte sur l'obésité n'est pas ce qu'il prétend être. Donc, la norme derrière, c'est quoi? La norme, excusez-moi, se présente de la façon suivante. C'est important d'être en santé, d'avoir une bonne forme physique, puis un surplus de poids n'est pas bon pour la santé. Ça, c'est ce que tout le monde comprend comme étant une norme acceptable. Or, ça n'existe que pour stigmatiser les obèses. Donc, fat studies, on va remettre évidemment tout ça en question. Mais il y a d'autres exemples, c'est-à-dire que là, ça se multiplie depuis des années. Il y en a une liste qui ne finit plus. Dernier en date que j'ai vu, un professeur de mon université, donc un cher collègue, a repris le même processus. Alors, par exemple, en montrant que le discours négatif que la société tient sur le suicide vise à opprimer les suicidaires. Hein? Ils appellent ça le suicidisme. Alors, évidemment, vous pensez que c'est ridicule, mais ces gens-là sont primés, reçoivent des récompenses pour ce type de travail. Donc, pourquoi est-ce que dorénavant, on parle de minorité racisée plutôt que de minorité visible? Ben, évidemment, parce qu'il n'y aurait pas effectivement de différence de couleur, il n'y aurait pas, enfin, tout ça n'existerait pas, la race n'existerait pas, elle serait... Ça, par ailleurs, je pourrais être assez d'accord avec cette affirmation-là. Il faudrait voir comment on le présente. Mais la race n'est qu'une invention du blanc qui crée le dominé racisé pour, évidemment, vous l'avez compris, l'opprimer. Donc, derrière tout rapport, derrière tout système, derrière toute norme, il y a, bien sûr, toute norme en apparence vertueuse, derrière se cache en vérité. La vérité de la norme étant toujours d'opprimer. Bref, vous voyez une école, un hôpital, une famille, l'armée, le mariage, tout ça, ce ne sont, évidemment, ça ne sert qu'à, évidemment, l'oppression de quelqu'un. Or, le mode de pensée foucauldien a en quelque sorte traversé l'océan pour son plus grand malheur, s'est rendu aux États-Unis, s'est insufflé d'un puritanisme certain et sont devenus ce qu'on appelle les théories critiques de la race. Et c'est le même modèle, c'est-à-dire en gros, les institutions des États-Unis et ces normes fondamentales qui, pensait-on, était fondée sur de bons principes, mais qu'on avait mis de côté. Donc, l'idée, c'était de revenir aux bons principes. Quels bons principes? Égalité devant la loi, liberté de parole, séparation des pouvoirs, méritocratie républicaine. Hein? L'antiracisme, pendant longtemps, disait « revenons à ces principes-là pour tous hein? ». C'était ça, l'antiracisme avant. Mais arrivent les théories critiques de la race. Je pense, par exemple, au livre d'introduction de Richard Delgado et Yann Stefanik. Ils nous expliquent très clairement qu'en fait, non, tout ça sont
ce qui nous apparaît pour nous comme des marqueurs désirables d'une société post-raciale, dans les faits, n'existe que pour perpétuer la domination de la race blanche. Et donc, des expressions comme « je vois pas la couleur » ou « j'ai des amis noirs » ou « à compétences égales » ou « embauchés sur la base du mérite » et ainsi de suite, doivent être présentées pour ce qu'elles sont, toujours davantage de preuves que l'Amérique est profondément raciste. Bref, les théories critiques de la race ont décrété que l'antiracisme est profondément raciste. Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé pendant la crise de l'Université d'Ottawa, notamment, c'est une partie d'explication. Tous ceux qui, depuis 40 ans, sont des antiracistes, ont étudié la chose avec sérieux, puis ont essayé de faire des choses pour la société, ben, depuis quelques années, se font dire « Non, votre antiracisme, c'est une preuve de racisme. » Donc, évidemment, certains résistent, ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa. Des gens ont dit « Mais enfin, vous êtes fous. » D'autres, au contraire, ont dit « Est-ce que je serais vraiment raciste profondément? » Et ont donc adopté, cédé à cette espèce de bullying moral. Hein. D'où l'espèce de panique morale qui a câblé bien des progressistes qui ont pris panique, se pensant tout d'un coup dans le grand camp, pendant longtemps dans le grand camp du bien et qui se réveillent un matin dans le grand camp du mal. Et donc, pour prouver leur non-racisme, ils se sont mis à se reconnaître racistes. Parce que à quoi est-ce qu'on reconnaît un raciste? À quelqu'un qui refuse d'admettre qu'il l'est. Donc forcément, donc logiquement, vous dites « je suis raciste » pour prouver que vous n'êtes pas raciste. Bon, on en est rendu là. Bref, pourquoi ces idées proviennent des campus américains? Évidemment, à cause de l'hypersensibilité à la question du racisme des gens progressistes et au fait indéniable par ailleurs que la société américaine et la société canadienne et la société québécoise ont encore effectivement des problèmes de racisme, mais là au sens où on l'entendait par le passé. Donc, un des enjeux, évidemment, c'est qu'on peut se poser, une fois qu'on a établi ce portrait-là, c'est, mais à quoi veut-on, que veut dire cette logique selon laquelle nous devons donc nous mettre à inclure hein, comme impératif moral? Et ce qui est particulièrement frappant de la manière dont ce mouvement est en train d'emporter l'ensemble du milieu universitaire, et je ne pense pas exagérer, c'est que ce mouvement est essentiellement porté par une panique morale qui se propage telle une religion hein, de personnes paniquées à l'idée de brûler en enfer. Or, comme la ligne entre ce qui distingue le raciste du non-raciste, le transphobe du non-transphobe, et ainsi de suite, se déplace constamment, il y a une sorte de surenchère permanente qui est encouragée par les réseaux sociaux pour constamment se positionner soi-même comme étant dans le grand camp du bien. Or, voilà, le mouvement EDI, par son origine dans les théories critiques qui rejettent donc toute norme comme étant toujours susceptible de n'exister que pour opprimer, a beaucoup de difficultés à définir ses propres termes. C'est frappant quand on les regarde. Hein, si vous voulez vous amuser, là, regardez comment les théoriciens du genre sont incapables de définir c'est quoi une femme, par exemple. Et pourquoi? Parce que si vous avez une définition positive de ce qu'est une femme, par exemple, vous parlez des gamètes ou de la capacité de tomber enceinte ou même de traits culturels, ben vous êtes en train de créer une norme qui amène de l'exclusion, et l'exclusion, c'est le mal. Donc, on ne peut pas avoir de définition. Donc, c'est très drôle. Allez sur YouTube, tapez « What is a woman? » Vous allez avoir des dizaines de vidéos de gens qui sont incapables de le dire parce qu'ils ne pourraient pas le faire sans exclure. Et ce sont de bonnes... Enfin, moi, je pense pas que ce sont des gens à condamner. Je pense que ce sont des gens qui essayent de faire le bien, mais qui sont pris dans une idéologie qui ne leur permet pas de le faire ou qui ne leur permet pas de penser le réel. Un exemple récent, hein? Pendant longtemps, on essayait de distinguer entre le sexe et le genre pour montrer qu'on peut être né homme, mais se sentir femme. Et cette distinction-là permettait de comprendre le phénomène de la transsexualité. Or, aujourd'hui, si vous dites c'est quelqu'un qui est né homme et qui se sent femme, c'est déjà une sorte d'exclusion. Donc, aujourd'hui, ces théories-là ont bien évolué et aujourd'hui, on remet même en question qu'il y aurait quelque chose comme des marqueurs de sexualité qui distingueraient entre un mâle et une femelle, par exemple, chez les êtres humains. Autre exemple, l'équité, ça veut dire, pour ce mouvement, qu'il doit y avoir égalité de résultats. Bref, s'il y a 5 % d'Autochtones au Canada, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait 5 % d'Autochtones dans les postes décisionnels, dans les postes d'enseignement et ainsi de suite. Et c'est selon cette logique qu'on a pu établir des quotas et que l'Université McMaster, en novembre 2020, a développé un programme intitulé Black Excellence Initiative et a embauché 12 personnes noires
bien avant que le fasse l'Université Laval. Et d'ailleurs, ça s'est fait dans à peu près toutes les universités, ce type de truc. Là, on est surpris de l'Université Laval, mais je veux dire, c'est la norme depuis au moins 2 ans dans le cas de l'Université McMaster. Et ce qui est frappant, c'est que quand vous vous intéressez aux statistiques, c'est que, en fait, ce qu'on appelle l'équité, on s'intéresse qu'à certaines statistiques. Donc, je vous donne un exemple. Au Canada et aux États-Unis, si on suivait la logique de l'équité, dire qu'il faudrait que le poids proportionnel ressemble à la représentation, écoutez, aujourd'hui, l'université est faite pour les femmes. C'est-à-dire, si vous prenez la tranche d'âge de 25 à 29 ans, l'âge d'âge qu'on utilise normalement à Statistique Canada ou dans la statistique moderne pour essayer de déterminer quel est le taux de diplomation, je vais dire aujourd'hui, c'est 63 à 67 % sont des femmes et le reste, ce sont des hommes. Ça marche? Donc, si on était sérieux, on dirait, attention, on a un problème. Mais non, parce que l'oppression est déjà décrétée à l'avance. Il ne saurait y avoir d'oppression autre que de l'homme sur la femme, que du blanc sur le noir, et ainsi de suite. Ça marche? Donc, c'est une sorte d'aveuglement ou deux poids, deux mesures permanent qui est une particularité du mouvement EDI, et je vais y revenir à la fin. Autre exemple, si vous voulez vous amuser, là, demandez à quelqu'un qui pratique l'EDI, qui au juste veulent-ils, qu'est-ce que ça veut dire au juste inclure? Hein? Puisque si vous voulez inclure, vous devez exclure. C'est rigoureusement obligatoire. Ce que je veux dire, c'est que si vous dites, mais moi j'aimerais inclure des gens dans mon équipe de hockey, bien, vous devez avoir une équipe de hockey. Puis pas tout le monde peut en faire partie, sinon évidemment ça perd son sens. Donc vous devez exclure. Mais c'est le même principe avec la citoyenneté canadienne. Elle est inclusive de tout le monde, mais si tout le monde l'a, elle n'a pas de valeur. D'accord? Donc, inclure ne se fait pas sans exclure, mais vous entendrez poser cette question-là à un partisan de l'EDI et ils bredouillent parce qu'ils ne savent pas trop quoi répondre. Et puis, si on vous dit, c'est l'entièreté des êtres humains, très bien, pourquoi excluez-vous et excluez-vous les orang-outans ou les tomates et regardez-les, essayez de répondre. Donc, pour l'instant, l'effort de déconstruction n'a pas visé à détruire les institutions elles-mêmes, probablement parce que les recteurs, les doyens, les professeurs et les spécialistes EDI sont très bien payés. Alors, ils ne vont quand même pas détruire l'université elle-même, mais ils détruisent leur contenu positif, c'est-à-dire les traditions intellectuelles, la sagesse accumulée, les corpus de textes, et ainsi de suite, renvoyés à des éléments de domination de race blanche. Et donc, on est constamment, là, on remet en cause les programmes, là, à mon université, c'est presque annuel. J'en conclue donc, ou j'en arrive donc à la partie sur les effets de ce mouvement sur les petites nations. Ça me permet donc de dire un mot sur les raisons pour lesquelles les nationalistes canadiens sont si à l'aise avec le mouvement EDI, les raisons pour lesquelles c'est largement au Québec qu'il y a des résistances aux avancées de ce mouvement, même si ce n'est pas tous les Québécois, et on pourrait dire la même chose des Canadiens. Donc, il faut comprendre que le nationalisme canadien a cette particularité de ne pas se penser comme un nationalisme. Vous ne trouverez jamais un Canadien anglais qui va se dire nationaliste. Même patriote, ce n'est pas vraiment une expression qu'on utilise beaucoup. Cela dit, la fierté d'être Canadien existe. Elle est d'ailleurs tonitruante. On la voit partout, des drapeaux partout de l'autre côté de la frontière. Les Canadiens, surtout anglophones, se définissent essentiellement par rapport aux Américains, ce qui est normal parce qu'ils participent de l'anglosphère culturelle et médiatique anglo-américaine. Et ce besoin de se distinguer des Américains a trouvé différentes formes dans l'histoire, le loyalisme des origines, la fierté d'appartenir à l'Empire jusqu'aux deux guerres mondiales. Et s'est étiolé par la suite jusqu'à ce qu'émerge le néo-nationalisme québécois. Et ce nouveau nationalisme canadien d'aujourd'hui s'est cristallisé au milieu des années 90 autour essentiellement d'un projet politique que vous connaissez bien, qui permet aux Canadiens de continuer de se distinguer des Américains, à savoir la doctrine, évidemment, multiculturaliste. Alors, évidemment, ça reste largement un mythe, le multiculturalisme. Mais dans la perspective des Canadiens, les États-Unis, c'est l'assimilation et le melting pot, et les Canadiens, bien évidemment, se définissent par rapport aux Américains. Donc, si eux, c'est l'assimilation et le melting pot, bien, nous, c'est la diversité, nous, c'est l'absence de culture propre, nous, c'est évidemment la post-nationalité, c'est ce que notre premier ministre, Justin Trudeau, nous a appris au lendemain de son élection. Donc, le Canada n'aurait pas de culture propre, pas de tradition imposée. Il y a bien deux langues officielles, mais on ne les impose pas aux individus. Après tout, vous n'avez pas droit au Canada à des services dans votre langue. Hein? Vous avez droit à des services dans la langue de votre choix, ce qui n'est pas la même chose. Donc, comme je l'ai déjà écrit dans un texte publié il y a quelques années, le Canada, ce n'est pas un pays, c'est un idéal moral. Et donc, il était très bien disposé à cette
à l'arrivée de ce mouvement EDI. Donc, deux choses à mentionner par rapport à ça. Le fait que le Canada se pense comme n'ayant aucune substance à défendre le rend parfaitement compatible avec les théories critiques que j'ai décrites tout à l'heure. Après tout, si vous vous mettez à mettre de l'avant une norme, un principe ou peu importe, vous serez forcément en train d'exclure des gens du récit national. Or, pendant ce temps-là, au Québec, ben, écoutez, la nation québécoise, elle, justement, parce qu'elle n'est pas souveraine, n'a pas le luxe d'invisibiliser sa dimension identitaire. Pour dire les choses très simplement, la nation québécoise n'a pas de sens que dans la mesure où elle se vit comme une identité, identité que peuvent partager tous les êtres humains s'ils mettent l'effort de venir vivre au Québec et d'y contribuer à leur tour. Le patriotisme constitutionnel à la Habermas n'a pas de sens pour le Québec si le Canada se définit déjà de cette manière. Donc, en d'autres termes, si la nation canadienne est capable d'invisibiliser sa composante identitaire, la chose est impossible, rigoureusement impossible pour les Québécois. Pour le dire avec les mots de Sylvie Lacombe, il ne peut pas y avoir deux peuples élus. Si le Canada, c'est une nation post-nationale, les Québécois ne peuvent pas logiquement former eux aussi une nation post-nationale. Il ne peut pas avoir deux nations post-nationales, il peut juste en avoir une. Hein? La nation post-nationale, c'est l'humanité réconciliée avec elle-même en l'absence de frontières. Alors, si vous affirmez un projet concurrent sur les mêmes bases, il n'a pas de sens. Il y en a déjà un pays post-national, c'est le Canada, et ceux qui veulent ce pays post-national, ben écoutez, vous êtes déjà ici, donc pourquoi voudriez-vous faire l'indépendance du Québec? Et donc, les Québécois doivent constamment défendre un contenu positif de leur nation. Hein? Le Québec, c'est pas rien, c'est une communauté de mémoire. Ça a une histoire distincte, une langue distincte, des accents distincts, des pratiques culturelles distinctes, des pratiques d'accueil de l'immigration différentes, un star system distinct, un rapport à la religion distinct, et ainsi de suite. Or, chaque fois, c'est un contenu positif qui est toujours potentiellement vu et perçu par ceux qui sont infectés par un regard du monde issu des théories critiques comme étant potentiellement porteur d'exclusion. Tenir à la langue française exclut ceux qui ne la parlent pas. Raconter l'histoire du Québec à partir de 1534 ou 1608 exclut les Autochtones ou, nous dit-on, les immigrants qui ne peuvent pas se reconnaître dans un Samuel de Champlain qui est un immigrant qui a quitté son pays. Effectivement, c'est hors de la capacité des immigrants de se projeter dans un personnage comme celui-là. Faire du principe de la laïcité la question d'un peuple qui a souhaité s'affranchir d'un cloaque religieux, c'est évidemment opprimer ceux pour qui l'identité a une dimension religieuse. Affirmer que le Québec pratique l'interculturalisme parce qu'il défendrait une culture de convergence, c'est logiquement exclure et donc opprimer, et ainsi de suite. Bref, si le Canada porte un regard si méprisant sur le Québec, c'est parce qu'il a une substance. Et toute substance est un danger, dit-on. Alors, je pense qu'il faut faire, et je termine, un effort pour voir par-delà ce petit jeu auquel le Québec est confronté. Parce que je pense, et je conclue de la façon suivante, qu'il faut retourner les théories critiques contre elles-mêmes. C'est-à-dire souhaiter l'absence de normes pour ne pas exclure « c'est une norme ». Et cette norme-là, elle profite à ceux qui la manipulent dans tous les bureaux EDI de l'Amérique. De la même manière, l'idée selon laquelle le Canada est un pays post-national, c'est de la foutaise. Que le Canada n'a pas d'essence propre, c'est de la foutaise. Que c'est une mosaïque de culture, ben c'est aussi un contenu positif. Et un contenu positif qui sert à masquer des choses. On a la reine Élisabeth comme souverain du Canada. Les traditions parlementaires britanniques aussi, elles ont été imposées ici. Les immigrants qui viennent au Canada, dans leur vaste majorité, de par les politiques d'immigration choisies par le gouvernement du Canada, prennent largement le pli des cultures locales et s'assimilent aussi rapidement qu'aux États-Unis. L'anglais est choisi par près de 93 % des immigrants qui s'établissent au Canada. Le Canada pratique des politiques d'immigration qui diminuent le poids proportionnel des francophones et ça se fait au détriment non seulement de ceux qu'on pourrait appeler les Québécois de souche, mais aussi de tous les Québécois qui ont choisi le Canada comme destination parce qu'ils voulaient vivre en français dans ce coin d'Amérique. En d'autres termes, et c'est la dernière phrase, la particularité des théories critiques de l'EDI comme du nationalisme canadien, c'est d'être parfaitement aveugle à leur dimension oppressive, et j'espère que par cette communication, j'ai contribué à le révéler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y aurait lieu de discuter des effets pervers que ça a sur les professeurs,
à l'université, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, à l'université et dans les collèges. J'ai oublié de dire tantôt que nos invités, si on veut avoir plus de renseignements sur leur curriculum vitae, les notes biographiques figurent sur le site Internet des IPSO, donc vous pouvez facilement les consulter. Je vous présente maintenant M. Dieudonné Ella Oyono, qui est économiste, chargé de cours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, et je l'ai présenté tantôt. À vous la parole, M. Oyono. Merci Micheline, bonsoir tout le monde. Merci aussi à Florent et aux IPSO de l'invitation. Je suis content de prendre la parole après François parce que je pense qu'il a mis la table sur ce que je peux appeler le corpus théorique là. Donc il a dit beaucoup de choses sur lesquelles je n'aurais pas besoin de revenir. Pour la petite histoire, c'est ma 22e année au Québec et je m'intéresse beaucoup à la question nationale. Parce que par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené à m'intéresser à cette question-là. Parce que quand on arrive au Québec, ce n'est pas nécessairement la question qui nous intéresse. Et pour commencer mon intervention, quelque chose qui m'a toujours fasciné, parce que à mon avis, c'est un euphémisme, c'est qu'en Amérique, le seul peuple qui a des risques de disparaître, ce sont les Québécois, ce sont les francophones, parce que quand on regarde autour de nous, il y a des millions et des millions d'anglophones. Mais même ce principe-là ou ce fait est refusé par certaines personnes au Québec puis au Canada. Et des fois, je me dis, si on n'est pas capable de s'entendre là-dessus, comment on peut travailler ensemble pour s'entendre sur des choses plus complexes? Parce que celle-là est mathématiquement simple. Il y a 8,5 millions ou un peu plus de Québécois, alors qu'il y a des centaines de millions. Donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques réflexions. C'est sûr que le fil conducteur de mon intervention, et c'est ça qui m'anime depuis plusieurs années, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai été pendant 2 ans président du Parti québécois, c'est de comprendre et de m'intéresser à comment les Québécois peuvent réagir, interagir avec des gens qui viennent d'ailleurs pour les convaincre qu'il y a un beau projet en dehors de aller aux élections aux 4 ans, être élu, s'occuper du ministère de la Santé et de l'Éducation. Je veux dire, ça fait partie des choses de base qu'on peut faire, mais il y a un projet plus important que celui-là. Et je m'intéresse à comment on peut faire, qu'est-ce qui doit être fait, qui peut le faire, dans quel horizon on peut réussir un projet du genre. Donc, j'ai quelques questions auxquelles je tente de répondre avec des éléments et je suis convaincu que je n'aborderai pas l'ensemble des éléments qui touchent le thème qui nous réunit ici ce soir, mais qu'avec vos questions, là, on va avoir l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans certains de ces sujets. Je reviens rapidement sur ce que j'appelle les idéologies qui s'affrontent. François en a parlé beaucoup. J'ai eu la chance, en travaillant pour le gouvernement du Québec, de faire le tour du Canada et de constater à quel point, sur des enjeux fondamentaux, le Québec est différent du reste du Canada. Il y en a plusieurs. Je pourrais, par exemple, parler du rôle de l'État. Il y a vraiment une différence entre les services publics au Québec versus les services publics dans le reste du Canada. J'ai été aussi à un moment donné de ma carrière professionnelle représentant syndical, donc je pense aussi que le taux de syndicalisation, c'est quelque chose qui nous différencie des autres. Donc, nous sommes des gens qui aiment prendre soin des autres. François a parlé de nationalisme. Sans me tromper, je pense que contrairement aux Canadiens où on parle davantage de post-national, puis on s'identifie beaucoup aux États-Unis, pour la majorité des Québécois, le Québec forme une nation et c'est une différence entre ce qu'on voit, ce qu'on peut observer au Québec et ce qu'on observe à l'extérieur, en fait dans le reste du Canada. À cette différence-là, il y a ce que moi j'appelle la superposition du discours, et vous allez voir où je m'en viens avec tout ça, c'est que quand les gens arrivent au Québec,
ils ont deux gouvernements, bon, des fois trois, parce qu'il y a aussi les municipalités qui se superposent et qui leur envoient des messages qui sont parfois contradictoires. Par exemple, sur la langue, on vous dit, bon, le Canada est un pays avec deux langues officielles. Vous parlez celle que vous voulez, vous communiquez avec l'État avec la langue de votre choix, alors qu'au Québec, on a une seule langue nationale. Donc, pour un immigrant qui est au Québec, le gouvernement du Québec lui dit la langue nationale, la langue officielle, c'est le français. Puis un autre gouvernement qui lui dit, ben, tu peux parler celle que tu veux. Il y a le multiculturalisme et l'interculturalisme. Il y a quand même une grande différence entre les deux. On parlait de post-national versus le Québec qui revendique les pouvoirs d'une nation. Le problème qui se pose, c'est qu'avec un visa canadien, parce que pour entrer au Canada, c'est le gouvernement canadien qui délivre le visa, c'est le gouvernement canadien qui vous donne la résidence permanente, et plus tard, c'est le gouvernement canadien qui vous donne le passeport canadien, donc vous devenez citoyen canadien par ce gouvernement-là. J'ai comme l'impression, en tout cas, mon constat, c'est que les gens finissent par plus écouter ce qui est dit par le gouvernement qui leur donne tous ces avantages entre guillemets, que par l'autre gouvernement qui leur donne l'impression qu'il met sur leur chemin des contraintes, même si on peut se le dire franchement, si on compare le Québec avec d'autres pays à travers le monde, à mon avis, ça ne représente pas vraiment des contraintes. À cela s'ajoute donc à cette superposition de discours s'ajoute le vent qui souffle du sud de la frontière et cette capacité qu'ont nos concitoyens du reste du Canada à adopter de façon instantanée des politiques qui sont dites progressistes et sur lesquelles je vais pas m'appesantir parce que François l'a fait très bien et qui font en sorte que l'immigrant se dit toute action du Québec qui vise, par exemple, à protéger sa langue ou à affirmer le caractère laïque de ses institutions est interprétée comme une attaque frontale aux valeurs canadiennes. Et à cela, il faut ajouter que quand l'État québécois adopte des lois, met en place des politiques, il y a des gens, que ce soit au Québec ou ailleurs, qui trouvent que le gouvernement va trop loin. Et le message, le double, la superposition des messages et le fait qu'il y ait un vent qui souffle des États-Unis et qui est adopté instantanément par le reste du Canada fait que les gens croient que c'est légitime, d'attaquer tout ce que le gouvernement du Québec essaye de mettre en place. En fait, c'est comme si l'immigrant, le nouveau Québécois, doit choisir tout le temps entre le bon et le mauvais, le méchant, l'oppresseur et le méchant Québec qui oppresse et le bon Canada qui accueille tout le monde et qui dit finalement, venez vous établir chez nous, vous n'avez pas d'effort à faire, on est finalement une somme de gens qui viennent de partout. C'est pour ça que en face de nous, il y a ce que moi j'appelle des tendances ou des théories émergentes, antiracisme, décolonialisme, wokisme, bref, toutes sortes de noms qui finissent par isme, et pour qui tout ce que le Québec essaye de faire pour survivre représente des menaces, représente, si on veut, des choses qui vont à l'encontre de ce que le Canada leur dit qu'il est. Et tout ceci amène, à force de recevoir les insultes, amène les Québécois à se braquer et à être sur la défensive. Et le fait d'être sur la défensive fait en sorte que, et là je vais amener un point que j'observe moi personnellement, c'est que quand on vous insulte tout le temps et que vous êtes sur la défensive, même quand je le regarde pas du point de vue des individus, mais du point de vue de l'État québécois, on finit par prendre des décisions qui sont maladroites, pas parce qu'on le fait intentionnellement, mais parce qu'on est sous pression. On finit par prendre des décisions qui sont improvisées et à toute fin pratique, on finit par prendre des décisions qui sont inefficaces, qui produisent le contraire de ce qu'on veut qu'elles produisent. Et j'ai en tête la dernière campagne publicitaire du gouvernement où on essaye de dire aux gens que
Si vous voyez deux jeunes noirs dans un parc, ce sont des amis québécois. Bref, des choses qu'on se demande à quoi ça sert, c'est qui a eu cette idée-là et qu'est-ce que ça change fondamentalement. Alors, si rien n'est fait, ces tensions-là, à mon avis, vont se poursuivre. Et François aussi en a parlé. Là, on a vu à l'Université Laval un affichage dans une chaire de recherche du Canada où on exclut les hommes blancs sous prétexte qu'il y a moins de noirs, de minorités, de femmes et de personnes autochtones. Et si l'antiracisme, c'est d'exclure, en fait, par l'absurde, donc c'est comme si on est en train de légitimer que c'est normal d'être contre les Blancs et c'est pas normal d'être contre les Noirs. Donc, on est en train de classer les gens et c'est épouvantable ce qui se passe dans les universités. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça nous mène le fait de classer les gens en race, la race blanche, la race noire et ainsi de suite. Parce que depuis quelques années, j'observe que moi qui suis sur les réseaux sociaux, qui ai été assez actif, c'est très rare, je dois dire, c'est très courant que quand un geste est posé, quand quelqu'un fait une réalisation, ce qu'on va mettre de l'avant en premier, c'est sa race. C'est de plus en plus courant et moi, ça me préoccupe personnellement. Et on met de l'avant la race pour rappeler que même si on est dans une société égalitaire, il y a des opprimés et il y a des oppresseurs. Et je ne sais pas à quel point il faut le rappeler si souvent, à quoi ça rime et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire collectivement. J'essaie d'accélérer pour tomber sur le vivre ensemble, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut être fait pour que les gens qui viennent d'ailleurs nous rejoignent dans ce projet qu'on a, qui, comme moi j'appelle l'émancipation du Québec, de cette société qui est accueillante, qui nous donne des possibilités et qui doit se battre pour survivre, il faut le dire ainsi. L'enjeu qu'on a, et c'est pour ça que les gens ont tendance à trouver la solution simple qui est de dire, bon, accueillons de plus en plus d'immigrants parce que le modèle canadien est basé sur le pourcentage de la population. Donc, si notre pourcentage baisse d'année en année, les financements que le Québec reçoit vont diminuer, ainsi de suite. Donc, si on veut maintenir cet équilibre, en tout cas autour de 23-25%, il faut accueillir plus de gens. Encore faut-il avoir les moyens de le faire, sachant que quand on se compare à d'autres nations, on accueille déjà, toute proportion gardée, beaucoup, beaucoup d'immigrants. Et on s'entend, la très grande majorité s'installe à Montréal, on a de la difficulté de les envoyer en région. Bref, il y a cette réalité-là qui fait que la population du Québec vieillit à un rythme de plus en plus important et que face à ce vieillissement de la population, on va chercher des gens et il faut chercher à les intégrer. Mais je pense, et là je fais référence au mouvement indépendantiste, que il faut prendre pour acquis que si ce projet doit se réaliser, il va se réaliser avec des Québécois qui viennent de partout. Et que malheureusement, le Québec est blâmé même pour les choses pour lesquelles il n'est pas responsable. Je pense par exemple au fait qu'aujourd'hui, si vous êtes un travailleur qualifié, vous vivez au Québec, vous devez attendre plus de 2 ans, en fait, vous devez attendre 2 ans de plus que quelqu'un qui est exactement dans votre situation, qui se trouve ailleurs au Canada, pour avoir votre résidence permanente. Parce qu'au Québec, c'est 31 mois en moyenne, dans le reste du Canada, c'est entre 6 et 12 mois. Ça ne relève pas du Québec. Mais comme ces gens sont au Québec, mais qui va être blâmé? C'est le gouvernement du Québec. Je prends l'autre exemple des étudiants africains francophones qui veulent venir au Canada et dont les taux de refus de permis d'études avoisinent les 80, les 85%. Donc, on a un modèle d'intégration, à mon avis, qui fonctionne. On peut améliorer certaines choses, je pense notamment à la reconnaissance des acquis et des compétences, mais un autre enjeu qui me préoccupe et je vois le temps filer, c'est que quand je parle avec des gens, ce sentiment de fierté puis d'appartenance à la nation québécoise
n'est pas présent, en tout cas, n'est pas très présent auprès de certaines communautés. Et je pense que cet enjeu-là fait partie des enjeux sur lesquels il faut travailler en mettant en contribution les familles. Donc, il ne faut pas que ce sentiment d'appartenance, cette fierté de faire partie de la nation québécoise, que tout ça repose absolument sur l'État et exclusivement sur l'État. Je pense que les organisations de la société civile et les familles et les citoyens ont quelque chose à faire là-dessus également. Je vais accélérer pour arriver dans la troisième partie de mon intervention et qui touche davantage qu'est-ce que le mouvement indépendantiste peut faire dans ce contexte. Premièrement, je pense qu'il faut arrêter d'être dans les estrades, il faut être sur la patinoire. Il faut avoir la maîtrise de l'agenda. Il faut arrêter de réagir quand le gouvernement fédéral prend une décision qui touche, par exemple, les compétences du Québec. Parce que je remarque beaucoup qu'on est, non seulement on est sur la défensive, avec raison parfois, mais en même temps, il y a une espèce d'attentisme. Donc, on réagit à quelque chose qui se passe de l'autre côté, alors que je pense qu'on peut être plus proactif. On met beaucoup d'emphase, je lis des chroniques et des auteurs qui mettent beaucoup d'emphase sur le fait que plus on accueille des gens qui viennent d'ailleurs, plus la réalisation de ce projet-là s'éloigne. J'ai tendance à penser que si ce projet doit se réaliser, pour moi, disons, la frange la plus importante qu'il faut rassembler, c'est la majorité francophone. La majorité francophone et les nouvelles générations Y et Z qui font partie de cette majorité-là. Autrement dit, parce que, oui, on accueille des gens, mais ce projet repose avant tout, en tout cas, sa réalisation, à mon avis, sur la capacité du mouvement à rassembler la majorité francophone de toutes les générations, incluant les Z et les Y. Parce qu'au fil du temps, moi, j'observe que ce mouvement a perdu les artistes, a perdu les jeunes, a perdu les syndicats, a perdu les Québécois d'adoption. Et mathématiquement, c'est impossible, avec ces pertes, de réaliser des gains, en tout cas de réaliser le fameux 50% plus 1. Par contre, je suis convaincu qu'il faut travailler avec les Québécois d'adoption et je parle beaucoup avec les gens de la communauté haïtienne qui me rappellent à quel point René Lévesque et Gérald Gaudin avaient fait un travail extraordinaire et à cette époque-là, années 70-80, on retrouvait, par exemple, au sein du seul parti indépendantiste de l'époque, beaucoup de citoyens d'origine haïtienne. Donc, je pense que non seulement les Québécois d'adoption, mais aussi certains groupes qui faisaient partie de ce mouvement-là ont été un peu laissés sur le chemin pour toutes sortes de raisons, mais il y a un travail à faire, il y a un défi à relever. Et je pense que ça arrive aussi parce que trop souvent, le Québec se laisse définir par le Canada auprès des nouveaux arrivants. Il doit le faire lui-même, il doit prendre le taureau par les cornes. Et il faut arrêter, je vais finir sur ces points-là, ces fameuses divisions par race. Donc, il faut passer des divisions par race où on dit les communautés noires, les communautés ci, les communautés ça, à ce que moi j'appelle la citoyenneté québécoise. Et pour parvenir à cela, je vois plusieurs éléments, mais les plus importants, c'est la langue française, la culture et les valeurs. Et quand je parle des valeurs, puis moi je suis fier de l'affirmer, donc des valeurs québécoises telles que l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que la laïcité de nos institutions. Donc, il faut qu'on travaille ensemble sur ce qui nous réunit. Et ce qui va nous réunir, ce ne sont pas les races. Parce que si c'est les races, on va regarder les couleurs, puis les gens vont se mettre par couleur. Par contre, si on parle de citoyenneté québécoise, si on parle d'interculturalisme et dans une certaine mesure de convergence culturelle, je pense qu'on est capable de réunir les Québécois autour d'un projet commun. Moi, ce qui me marque le plus au Québec, c'est la grande tradition du collectif. C'est ce qui fait notre force, toujours à la recherche du bien commun. Il faudrait relancer un mouvement qui va, à mon avis, au-delà des partis politiques, dans le sens que
T'sais, des fois, j'entends, bah, tel parti est à tel niveau dans les sondages, donc on pense qu'elle est indépendante. Donc, c'est pas une affaire. Il ne faut pas que ce projet-là soit une question de parti politique. Il faut que ce soit une question d'idéal collectif. Je pense que ce qui va permettre de réunir autour de ce mouvement-là les gens qui sont issus de la diversité, c'est ces éléments-là qui sont importants, à mon avis. Je pense que ces gens existent. Ce n'est pas tous, ce n'est pas 100% qui vont dire oui, mais il y en a plusieurs qui vont s'attacher à cette culture majoritaire tout en y ajoutant des nuances. Donc, oui, on s'attache à une culture, à la culture de la majorité, mais avec les nuances qui dépendent, en fait, qui viennent de nos pays d'origine. Je vais conclure en disant ceci et je vais faire référence au hockey que j'aime bien, que j'ai découvert au Québec. Si vous êtes coach d'une équipe qui ne fait que défendre, le meilleur résultat auquel il peut s'attendre, c'est un match nul, parce qu'il ne fait que défendre. Pour gagner, il faut défendre, il faut attaquer, il faut marquer des buts. C'est cette attitude de gagnant que le mouvement indépendantiste doit adopter afin de mettre en place les mesures nécessaires pour que malgré tout ce qu'on a dit, les mesures EDI et tout ce qu'on sait, là, tous ces mouvements-là, moi je pense qu'il y a une fenêtre, il y a une voie de passage qui peut permettre de réaliser ce beau projet qui mérite d'être plus expliqué, mieux expliqué à des gens qui viennent de pays qui sont d'anciennes colonies et qui comprennent bien ce que ça veut dire la liberté. Bonne soirée. Micheline, ton micro, excuse-moi. Vais activer ton micro, Micheline. Ton micro est coupé, Micheline. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. Pardon. Je dis que vous venez de soulever une question importante, c'est-à-dire. Vous avez fait allusion au projet de convergence culturelle qui est brassé actuellement dans certains milieux indépendantistes, mais c'est un retour en arrière qui m'apparaît très dangereux. En fait, il était dans les années 76, parce que c'était effectivement ça fait partie du plan d'action d'un des premiers gouvernements du Parti québécois. Il était un projet progressiste, mais par ailleurs, il y a eu par la suite tout un nouveau discours. Et d'un gouvernement indépendantiste, qui était d'ailleurs partagé par le Conseil des relations interculturelles du Québec, c'est celui de la citoyenneté. Citoyenneté non pas en termes de possession d'un passeport, mais en termes disons, d'une vision multidimensionnelle. Je n'ai pas le temps d'élaborer ici. Et ça m'apparaîtrait une voie à l'envers. Tout ce que vous défendez, c'est-à-dire associer, associer, associer de la façon la plus pédagogique possible des communautés qui ont toutes les raisons d'être réticentes, étant donné qu'elles reçoivent un double message et qu'il y a deux majorités qui les interpellent. Alors, je passe la parole maintenant à David Santarossa. Oui, merci beaucoup, Madame Labelle. J'aurais peut-être l'occasion, peut-être à la période de questions, de revenir sur la question de la convergence culturelle. Moi, de mon côté, je trouve que c'est une bonne idée, mais bon, on y reviendra, peut-être. Donc, je partage ça. J'ai une petite présentation PowerPoint, question de faciliter le tout. J'espère qu'on continue de me voir malgré Oui. ça. Donc, nationalisme et wokisme, un dialogue possible. Donc, est-ce qu'il y a moyen, évidemment, c'est deux idéologies qui sont différentes, mais est-ce qu'il y a quand même moyen qu'il y ait un dialogue fécond, respectueux entre ces deux idéologies-là, si on veut? Donc, premièrement, wokisme, hein, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que François Charbonneau l'a bien défini tantôt. Donc, ben, ça, je pense que c'est important d'abord de dire, ce n'est pas une insulte. Souvent, on entend ça dans l'espace public, wokisme. Dans ma bouche, du moins, ce n'est pas une insulte. Pas du tout. Je pense que c'est un cadre conceptuel qui est critiquable, qui est compréhensible. David, excuse-moi Donc. d'interrompre. Sauf erreur de ma part, ton partage ne paraît pas à l'écran. OK. Ah, ça y est, pardon. Pourtant, moi, je le vois très bien. Ah, excusez-moi, c'est probablement une erreur de mon côté. Mes excuses, David, pour l'interruption.
Il n'y a pas de problème. Donc, le wokisme donc, s'attaque aux normes sociales qui excluraient certaines catégories de personnes. C'est un peu ça, grosso modo, que François Charbonneau a expliqué de manière un peu plus large. Et le nationalisme québécois, comment on peut le définir? Bien, c'est le désir d'instituer une norme québécoise. Je pense que ça n'empêche pas la prise en compte de la diversité. On peut penser, par exemple, à la loi 101 hein, qui a aménagé une exception, par exemple, pour la minorité historique anglophone. Donc, mais déjà là, on voit qu'il y a une espèce d'opposition frontale entre le nationalisme québécois et le wokisme qui s'attaque aux normes sociales et le nationalisme québécois qui, en fait, cherche à instituer une norme. Donc, j'ai essayé de faire un petit cadre conceptuel sur quoi je me basais. Je me base surtout sur la formation antiraciste du gouvernement du Canada qui est disponible en ligne là, à tous. Là, je peux vous envoyer le lien dans le clavardage peut-être tantôt. D'ailleurs, cette formation-là donnée par le gouvernement du Canada, c'est grosso modo la même qu'on reprend dans les diverses entreprises aujourd'hui. Là. Donc, c'est pas, il n'y a rien de tant que ça, que je pourrais dire, il n'y a rien d'unique à cette formation-là. Là, c'est rendu un peu partout. Je me base aussi par rapport au dialogue, au concept d'irréfutabilité chez Karl Popper. Donc, chez Karl Popper, le dialogue démocratique, le dialogue en science est très important, la critique est très importante, mais encore faut-il reconnaître une certaine validité aux personnes qui s'opposent à nous. Donc voilà, donc, il faut que nos théories soient réfutables, autrement dit. Je vais m'inspirer aussi de la question de l'éducation chez Anna Arendt un peu. Je vais faire très rapidement référence, hein. On parle d'éducation, de formation antiraciste. Donc, ça soulève des questions de ce point de vue-là. Et finalement, l'idée de concept creep, qui a plus ou moins de traduction française encore, que certains utilisent comme débordement conceptuel du professeur de psychologie Nick Aslan. Donc, qu'est-ce qu'on entend par débordement conceptuel? C'est la tendance qu'on observe, surtout à notre époque, de chercher à toujours inclure de plus en plus d'objets sous un même concept. Pour donner un exemple simple, le terme intimidation dans les cours d'école, hein, on a tendance à inclure toujours plus d'éléments sous le terme intimidation. La moindre petite bavure, la moindre petite insulte va être identifiée à de l'intimidation, alors que l'intimidation est une définition beaucoup plus claire et précise. Bien, ça, cette idée-là de débordement conceptuel, on va le voir avec le wokisme. Donc, quelques questions que je me pose en ce début de présentation. Donc, est-il possible d'être en désaccord avec le wokisme, comme je le disais? Est-ce que le nationalisme québécois peut exister dans cette conception du monde? Donc, est-ce qu'il y a une place pour le nationalisme québécois? Et finalement, pour faire un lien avec vraiment le thème de la journée, là, si le Canada menote le dialogue, n'est-ce pas là antidémocratique? N'est-ce pas là une forme d'ingérence dans l'idée d'intégration, par exemple, le vivre ensemble? Donc, est-ce que le Canada, en ce sens-là, va dicter un peu les grandes lignes que le Québec doit respecter? Donc, pour ce faire, je vais identifier cinq entraves au dialogue que le wokisme pratique, si on veut, à mon sens, donc, tout ça nuit au dialogue. Donc, le premier point, c'est la perception qui prime l'intention. Donc, ça, on retrouve ça dans les différentes formations antiracistes. Je mets en guillemets ici, là, on prétend à l'antiracisme. Là, François Charbonneau l'a bien montré que c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité. Donc, on va dire que la perception, en fait, du minoritaire prime. Hein, on reviendra sur l'affaire Verouchka-Lunan-Duval. C'est la perception du minoritaire qui va primer. L'intention de la professeure n'aura absolument aucune influence sur la véritable signification des mots qu'elle va dire, par exemple. Et évidemment, les conséquences pour le Québec, bien, c'est que les Québécois ne seront plus minoritaires, du moins ne seront plus considérés comme tels. Pourquoi? Bien, parce qu'on va les considérer blancs. D'ailleurs, comme si les Québécois aujourd'hui, ben, c'était pas, il n'y avait pas aussi des personnes de différentes origines. Mais donc, on ne les considérera plus vraiment comme minoritaires et on ne donnera pas une espèce de primauté à leur interprétation. Et là, du point de vue du dialogue, le problème, c'est que comme l'interprétation minoritaire a toujours raison, hein, il faut respecter cette perception-là. De quel droit pourrait-on dire que telle demande est complètement grotesque et donc irrecevable? De quel droit on pourrait dire que, écoutez, je suis en désaccord avec vous, vous avez tort, moi j'avais intention ça, vous avez mal interprété, bien, on ne pourrait pas faire ça. Donc, le dialogue est impossible parce que c'est la perception qui prime. Ensuite, il y a la question du vocabulaire mélioratif, donc qu'il faut comprendre à l'inverse du vocabulaire neutre. Donc, des termes comme antiraciste, inclusif, antifasciste, féministe. On voit tout le mouvement woke et les formations antiracistes, justement, qui vont essayer de monopoliser
ces termes-là. Et évidemment, on le comprend, ben, si le wokisme aujourd'hui monopolise ces termes-là, ben, il reste tout simplement les épithètes un peu péjoratives, en fait très péjoratives, hein, de racistes, par exemple. Et ça, on va l'entendre souvent chez les chroniqueurs woke, ben, s'opposer à ceux qui se prétendent antiracistes, ben, va faire de nous des racistes. Hein. Est-ce que s'opposer à ceux qui accaparent le titre antiraciste fait de nous des racistes? Bien sûr que non. On le sait aujourd'hui, il y a différents types de racisme, il y a différentes manières de répondre au racisme. Je ne considère pas que les différentes manières, même si on a des manières différentes d'aborder le racisme, on est raciste pour autant. Donc, voilà, donc vraiment, le monopole de ces termes-là, amélioratifs, ben, laisse des épithètes péjoratives au nationalisme québécois, ce qui rend le dialogue très, très difficile à faire. Et d'ailleurs, c'est l'avantage du mot woke, c'est sa polysémie. Donc, bien sûr, il y en a qui le voient comme une insulte. Il y en a d'autres, par contre, qu'ils voient comme une qualité, en fait. Donc, donc il y a comme les deux interprétations possibles. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais au moins, ça a l'avantage de ne pas être strictement amélioratif et de se présenter dans l'espace public comme étant une espèce de justement d'être antiraciste, inclusif, alors que ce sont des mots qui sont beaucoup plus complexes. Le troisième point, c'est la question, dont on parlait des formations antiracistes, des adversaires politiques à éduquer. Et là, je vous rappellerai, aux dernières élections fédérales, cet automne, il y avait la chef du Parti vert, Anne Paul, qui avait dit à Yves-François Blanchet, donc il y avait un désaccord sur la question du racisme systémique, et Anne Paul avait dit qu'elle voulait éduquer Yves-François Blanchet sur la question des discriminations systémiques. C'est assez particulier d'entendre ce type de vocabulaire-là dans l'espace public, dans l'espace politique. Et on le voit aussi avec les formations antiracistes. Ces formations-là sont en réalité politiques. On commence déjà un peu à le voir. On cherche à convaincre les personnes de certaines idées. Et ça, c'est bien important de le comprendre. Je pense que le wokisme pose des questions importantes. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'absence de discrimination, par exemple, l'égalité? Ça veut dire quoi, ça, l'égalité homme-femme, par exemple? C'est des questions très, très importantes qui méritent d'être discutées dans une réelle démocratie, mais j'ai l'impression que le wokisme ne prétend pas donner une réponse politique à ça, prétend tout simplement donner la réponse, quelque chose qui incarne la vérité. Et quand on prétend éduquer son opposant politique, bien justement, on prétend avoir une espèce de... être détenteur d'une espèce de vérité, et il s'agit d'éduquer son opposant politique. Il n'y a pas de désaccord fécond, de désaccord rationnel. Et d'ailleurs, je reviens ici sur la question d'Anna Arendt, hein, sur l'éducation, qui disait bien, éduquer les adultes, c'est une manière de contraindre en réalité les adultes sans utiliser la force. D'ailleurs, c'est ce que des mouvements totalitaires ont essayé de faire, d'éduquer les adultes sur des questions politiques et même d'éduquer des enfants sur des questions politiques. Donc, l'éducation, en fait, la politique, pardon, c'est le lieu de l'égalité où est-ce qu'on va débattre, on va essayer de convaincre, mais on n'est pas là pour éduquer l'autre personne. On se doute bien qu'il a des bonnes raisons de défendre ses idées. Donc, voilà. Et dernière question à se poser par rapport à ces formations antiracistes, ben, quelle est la légitimité démocratique à ces formations-là? Est-ce qu'il y a eu un réel débat, une réelle discussion civique sur la question? Ben, j'en ai pas l'impression. Et j'ai l'impression que beaucoup seraient fortement en désaccord avec ces formations-là. Ensuite, la critique comme preuve de validité, c'est la quatrième entrave, que le wokisme fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cherche à critiquer le wokisme, bien, la critique se retourne contre la personne qui énonce la critique. Et là, on revient, tantôt je parlais de mon cadre conceptuel avec Karl Popper, l'importance que nos thèses soient réfutables, d'être ouverts à la critique, de tolérer la critique. Bien, on va le voir que nier le racisme systémique va être considéré comme la preuve du racisme systémique. Donc là, ici, on a une preuve explicite de l'irréfutabilité d'une telle thèse. Ensuite, remettre en question l'idéologie woke, bien, c'est la preuve de sa fragilité blanche. Donc, si on n'est pas en accord avec les thèses woke, c'est qu'on n'est pas prêt à faire face au fait qu'on est raciste, par exemple. Donc, c'est notre fragilité blanche ici, hein, c'est Robin DiAngelo qui en a beaucoup parlé.
Se défendre d'accusations loufoques, bien, c'est une attitude défensive propre à la suprématie blanche. Donc, si on se défend en disant, ben non, ce que j'ai dit, c'était pas raciste pour telle et telle raison, bien, ça, c'est une attitude défensive propre à la suprématie blanche. Donc, à chaque fois, on essaie de faire une critique à l'idéologie woke, bien, la critique se retourne contre nous et est en fait une preuve que l'idéologie woke est valide. Donc, en ce sens-là, on ne peut pas dire que c'est des théories qui sont scientifiques, selon les critères du moins que le philosophe des sciences Karl Popper avait élaboré. Cinquième entrave, la redéfinition de certains mots. Et les formations antiracistes se basent surtout sur la redéfinition du mot « suprématie blanche ». Donc, évidemment, le mot « suprématie blanche », c'est un mot qui fait peur, à raison d'ailleurs. Hein. Ça rappelle les heures les plus sombres de l'humanité. Je pense que c'est à propos de parler de ça. Ça évoque le nazisme, ça évoque le Ku Klux Klan. Il n'y a rien d'enviable à un tel terme. Là. C'est vraiment, on veut s'en éloigner, bien sûr. Eh bien là, on va venir redéfinir complètement un tel terme. Et évidemment, c'est bien sûr, je reviens à mon idée de dialogue, c'est impossible de discuter si les woke, si le wokisme change les définitions à leur avantage. Donc, parce que là, finalement, on ne peut plus s'entendre sur les définitions, on ne peut plus s'entendre sur les termes. Et là, pour vous donner quelques exemples de qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par suprématie blanche, bien, on va dire que penser que ce sont les intentions qui comptent fait partie du suprémacisme blanc. Donc, c'est-à-dire que tantôt, quand je critiquais la notion que ça, c'était la perception qui primerait l'intention, bien, pour une drôle de raison, ce que j'ai dit participerait à la suprématie blanche. Évidemment que ce n'est pas le cas. À nouveau, on peut être en désaccord avec ce que j'ai dit, ça me va, mais d'associer ça à la suprématie blanche, on est vraiment dans le, je parlais tantôt du débordement conceptuel qu'on a tendance à inclure de plus en plus de choses dans certains concepts, bien là, on l'a avec la suprématie blanche. Ensuite, nier le privilège blanc, suprématie blanche, ça revient à nouveau sur remettre en question l'idéologie woke, c'est la preuve que l'idéologie woke est impertinente, est vraie. Mettre en doute le vécu des racisés, suprématie blanche, se réclamer d'une même humanité, ce qui est assez particulier. Hein. Se réclamer d'une même humanité ferait partie de la suprématie blanche. Celle-là, il va falloir qu'on me l'explique d'ailleurs. Le daltonisme racial, donc de dire qu'on ne voit pas la couleur, ça fait partie de la suprématie blanche. La méritocratie, le perfectionnisme, le culte de la parole écrite, l'individualisme et l'objectivité. Comprenons-moi bien, je pense qu'il y a des critiques qui peuvent être pertinentes sur la méritocratie, par exemple. Il y a eu beaucoup d'études en sciences sociales sur cette notion-là. Le débat peut être très fécond, peut être très pertinent. Mais le fait d'associer quelqu'un qui défendrait la suprématie blanche, quelqu'un qui défendrait la méritocratie à la suprématie blanche, c'est totalement absurde et ça nuit au dialogue. Je veux dire, c'est impossible de discuter, de débattre dans une telle situation. Je ne vois pas comment on peut discuter en réalité avec cette idée-là de débordement conceptuel. Et on pourrait, tout le monde se pose probablement la question, en fait, c'est d'où vient, c'est quoi la méthodologie qu'on utilise pour arriver à ces éléments-là? Eh bien, dans la formation du gouvernement du Canada, la source pour cette définition-là de la suprématie blanche, c'est un texte de Jones et Okun, White Supremacy Culture. Et lorsqu'on lit ce document-là en entier, on se rend compte, et c'est... Je prends vraiment le temps de le dire, là. Il y a absence de méthodologie et de bibliographie dans ce document-là. Donc, le gouvernement du Canada se base sur un document d'intellectuel, mais qui ne contient absolument aucune méthodologie, aucune bibliographie. Donc, le lecteur honnête qui essaie de comprendre réellement ce dont il est question ici, bien, il se rend compte que ce n'est pas un travail scientifique qui a été fait. Et donc voilà, je pense qu'on n'a pas à donner une quelconque validité à un tel travail, alors que, je veux dire, moi, j'enseigne au secondaire, puis je suis même pas sûr, j'accepterais même pas, en fait, un travail sans méthodologie, sans bibliographie. Donc, je le dis peut-être avec un peu d'arrogance, mais c'est ça quand même. Donc, en résumé, la perception prime l'intention. Bien, on est dans un monologue, c'est-à-dire qu'on se contente d'écouter les voix minoritaires et d'être évidemment d'accord avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais un dialogue est quand même important. Le vocabulaire amélioratif, bien, le wokisme se donne le beau rôle et diabolise l'opposant, très difficile de discuter. Éduquer son opposant politique, bien, ça ne reconnaît aucune crédibilité aux positions adverses. La critique qui est identifiée à la preuve de la validité des thèses woke. Redéfinition de certains termes, bien, le nationalisme québécois, puis toute critique va être condamnée pour suprémacisme blanc. Donc, je reviens à mes questions.
Est-il possible d'être en désaccord avec le wokisme? Ben, j'en ai pas l'impression, parce que la moindre critique se retourne contre la personne qui l'a émis. Est-ce que le nationalisme québécois peut exister dans cette conception du monde? La réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'il peut exister, mais comme repoussoir, en fait. Donc, il ne peut pas exister de manière légitime. Et si le Canada menote le dialogue, n'est-ce pas là antidémocratique, n'est-ce pas là une forme d'ingérence? Je pense que oui. C'est-à-dire que maintenant, ces formations-là sont données un peu partout au Canada et au Québec, dans les bureaux, de plus en plus dans les entreprises privées. Toutes les thèses du nationalisme québécois sont identifiées à quelque chose de négatif. Donc, oui, c'est quelque chose d'antidémocratique de ne pas respecter qu'il y ait un opposant légitime. Donc, j'ai mis quelques références bibliographiques ici pour ceux que ça intéresse, mais ça fait le tour de ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est prêt pour une discussion là, plus approfondie, entre autres de la réflexion de Dieudonné sur l'importance du retour de la race là, dans l'espace public. Je crois que pas mal de gens de certaines générations sont témoins que c'est un phénomène qui est virulent, qui est nouveau relativement et qui est très lié à ce que vient d'expliquer David. L'autre sujet de discussion, c'est la fameuse convergence culturelle versus la perception de la citoyenneté. En tout cas, s'il y a des questions là-dessus, on les accueille. Donc, je pense que c'est Florent qui va maintenant animer la période de questions. Merci Micheline, merci beaucoup à tous les trois. Alors effectivement, donc pour les 45 minutes qu'il nous reste, on va passer à la période de questions. Je vous l'indiquais en début de séance, on va dans un premier temps privilégier les questions qui seraient posées avec micro et webcam. Donc pour cela, vous avez juste à utiliser la petite main levée virtuelle. Après 2 ans de pandémie, malheureusement, on commence à connaître ça par cœur. Donc je vois déjà des mains qui se lèvent. Et dans l'hypothèse ensuite où on n'aurait plus personne sur la liste d'attente des mains levées, on passerait aux questions écrites. Et donc, j'en ai déjà une ou deux. Pour les questions orales, je vais vous demander quand même d'être bref, hein, ne pas dépasser 2 minutes. Je serai assez intraitable à cet égard-ci. Donc, des questions précises et pointues pour nos 3 panélistes. Voilà, j'espère que le tout est clair. Je vais donc tout de suite passer la parole à Monsieur André Dupont. La parole est à vous, monsieur. Bonjour, 2 points très brefs. Vous m'entendez bien? Oui. D'abord, j'adorerais et je voudrais absolument pouvoir diffuser ces exposés fabuleux. Donc, j'espère qu'ils sont mis à notre disposition. Et entre autres, les 3 sont bons, mais celui de François Charbonneau, pour moi, est du pur bonbon. Moi qui étudiais de la philosophie à Aix-en-Provence, tout d'un coup, je me régale, quoi. Mais là, mon 2e point, c'est celui-ci. Et c'est dans l'exposé de François Charbonneau qu'il m'est revenu comme une évidence. Depuis que Trudeau l'Ancien nous a envoyé son idéologie de post-nationalisme et que Trudeau le jeune s'en sert, la diffuse, moi, il y a une question que j'adorerais qu'on aille poser au petit Trudeau. Donc, si on vous comprend bien, si le Canada est un pays post-national, hein, s'il n'y a plus de nationalité, s'il ne doit plus y avoir de nationalité, il n'y a donc pas de nationalité canadienne. Moi, j'adore d'avance le bafouillement qu'il nous ferait en réponse. Merci, Monsieur Dupont. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Charbonneau, puisqu'il était directement visé par la question. Mais oui, je ne suis pas certain qu'il y avait une question, davantage une interpellation. Aussi, je serais content. Oui. Bon, là, réaction plus qu'une. La réaction sera la suivante. Écoutez, c'est toujours le problème avec ce genre de discours. Il y a des points aveugles de toute croyance, de toute perspective qu'on peut avoir sur le monde. La croyance qui est celle selon laquelle le Canada serait un pays post-national est évidemment intenable. C'est-à-dire, prenez n'importe quel être humain
qui naît dans un autre pays et qui débarque au Canada, n'importe où au Canada, voit de la culture, voit une manière d'être particulière au monde, voit des conceptions, voit une conception du monde et ainsi de suite, voit des valeurs. Ça peut varier d'un endroit à un autre au Canada. Il y a une certaine diversité régionale au Canada, des certaines manières de voir les choses. On n'est pas au Canada de la même manière en Alberta qu'en Colombie-Britannique ou je ne sais pas quoi. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a quand même au moins deux importantes. Comment dire, je vais vous dire la chose suivante. Le Canada ne produit pas 1000 types de Canadiens. Hein. Il en produit essentiellement, disons, trois. C'est très réducteur pour ce qui est des Autochtones, puisque les Autochtones sont divisés en nations, et donc il faudrait dire à peu près 400 différentes nations au Canada. Pour dire les choses le plus simplement possible, si vous voulez des Kazakhs, ben, ça prend le Kazakhstan. Puis si vous voulez des Burundais, ben, ça prend le Burundi. Le Canada ne produit pas de Burundais, produit pas de Kazakhs. S'il en veut, il faut qu'il en importe. Le problème, c'est que ça s'abîme. C'est-à-dire que n'importe. Alors, on peut, quand on est un immigrant, conserver une part de son ancien monde, mais vous savez, toute la tension qui existe entre les parents immigrants et leurs enfants, elle prend sa source parfois dans la difficulté qu'ont les parents, parfaitement compréhensible et normal, à laisser d'une certaine façon leur enfant être en gros comme les autres. La culture, elle s'acquiert dans le contact commun. À l'école de mes enfants au Québec, il doit y avoir des gens qui proviennent d'une centaine de pays différents. Et puis ces enfants-là, ben, ils ont tous la même culture. Donc peu importe la culture de leurs parents, ils ont une culture commune de référence. La culture, elle se produit constamment comme ça. Et imaginer qu'il y aurait quelque chose comme une post-nationalité, ce serait comme imaginer une humanité sans culture, ce qui est rigoureusement impossible. Donc, c'est effectivement une illusion, mais c'est très pratique quand il s'agit de nier des projets comme celui que cherchent à accomplir bon nombre de Québécois de toutes les origines, là, pour le dire comme ça, c'est-à-dire faire l'indépendance du Québec. Peut-être une réponse aussi de vos côtés, David Dieudonné. Ça me fait penser, je n'ai pas la citation exacte, c'était dans un documentaire de l'ONF, c'était René Lévesque qui se faisait passer le commentaire par un anglophone à l'époque de retourner dans son pays. Donc, c'est un anglophone qui disait ça à René Lévesque. Et René Lévesque répond, ben, il n'y a pas de... Mon pays, c'est le Québec. Et c'est ça qui arrive, c'est que la particularité du Québec, c'est-à-dire, en fait, pour beaucoup de Canadiens, l'identité canadienne vient avec un trait d'union. Hein. On est afro-canadien, par exemple, sino-canadien, par exemple. Tandis qu'au Québec, ça ne vient pas avec un trait d'union. Donc, les Québécois, c'est une nation, c'est une culture qui s'est formée ici, en Amérique, sur le territoire québécois. Donc oui, il y a cette particularité-là. Donc, cet idéal multiculturaliste du Canada avec le trait d'union, ça ne fonctionne pas, ça ne concorde pas avec le Québec, tout simplement. Donc ça me paraît une distinction assez importante. Je ne sais pas si Dieudonné veut ajouter quelque chose. Moi qui m'intéresse à... Je pensais que je n'avais pas ouvert les micros. Je suis frappé par le manque d'authenticité des politiciens dans le sens que j'ai fait de la politique active dans ma vie. La perception, en fait, j'ai comme l'impression que les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent, dans le sens que il faut que je dise ce que je dois dire pour gagner des votes et c'est ce que je vais faire. Mais fondamentalement, foncièrement, là, si on voulait regarder ce que j'ai à l'intérieur de moi, on constaterait pour plusieurs politiciens qu'il y a une différence entre les deux. Et ça, c'est dommage parce que ça amène à prendre des décisions qui n'ont aucun sens, mais qu'il faut prendre quand même parce que ça correspond à la mouvance actuelle. Et ce qui est vraiment différent des politiciens, on parlait de René Lévesque, mais il y en a d'autres aussi, qui pouvaient prendre des décisions même si celle-ci là, pouvait amener à ce qu'ils perdent le pouvoir parce qu'ils croyaient à un idéal puis ils pensaient que c'est ça qu'il faut faire. Alors qu'actuellement, là, quand on parle de pause nationale, qu'on a que tout, c'est parce que c'est ce qu'il faut dire pour être populaire, donc c'est ce que je dis.
Merci beaucoup à tous les trois. Je passerai la parole à Monsieur Yves-Claude. La parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez effectivement? Très bien. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Ma question, elle est de l'ordre de l'action, de la stratégie. J'aime pas bien le mot woke. Ma façon de nommer les choses, c'est de faire le constat d'une offensive organisée contre le Québec moderne, contre la nation québécoise et sa modernité. Et je vais brièvement donner deux situations dans lesquelles la question de la résistance se pose. Je viens de prendre ma retraite du Cégep de Saint-Jérôme comme sociologue et on a eu une formation, j'ai pu en bénéficier, que certains qualifieraient de woke. En fait, c'était une formation sur la diversité sexuelle, entre guillemets, sur le mode d'un rituel évangélique. Ça a duré 3 heures. Et en introduction, un personnage pittoresque, masculin, mi-homme, mi-femme, en tout cas, je ne vais pas trop entrer dans les détails, a commencé son rituel en s'excusant, en affirmant que Saint-Jérôme était un territoire mohawk non cédé. L'essentiel du contenu pose problème. Évidemment, il y a la négation des réalités biologiques. C'est une offensive contre le mouvement des femmes modernes québécois. Sachant que je ne risquais plus mon emploi, j'ai réagi. J'ai envoyé un courriel à la direction du personnel et à l'ensemble de mes collègues, bon, pour signaler évidemment que historiquement, c'était quand même un peu problématique de faire ce genre d'affirmation, mais surtout qu'on aimerait entendre la voix des femmes, et je pense entre autres à mes camarades du groupe PDF Québec pour le droit des femmes du Québec, qui intervient justement sur ces questions des droits des femmes par rapport à ces nouvelles notions de diversité. Eh bien, je faisais le pari que personne n'oserait réagir. J'ai eu des réactions de collègues en aparté qui m'ont dit « on est bien conscient, on comprend tout à fait, on partage cette critique, mais on a peur d'intervenir parce qu'on peut se sentir menacé au niveau économique dans notre emploi. On peut se sentir menacé aussi parce que, et c'est là que je pense qu'il y a peut-être une lacune dans l'information, c'est que le milieu collégial est fortement investi par ces forces anti-modernes. Une petite statistique, depuis que je suis parti, les partisans du Québec moderne, de la laïcité, de l'indépendance, on était 3 en sciences sociales, il n'y en a plus que 2. Mes collègues vont faire face à une formation décoloniale où chacun doit expier ses péchés colonialistes, etc. Alors, on voit que même à l'intérieur d'une institution démocratique où Merci. Normalement il y a la liberté académique, c'est difficile de résister. Un dernier Merci, point, monsieur. Oui, un dernier oui. point très rapidement. Oui, très très rapidement, oui. Comment résister dans la rue? Parce que le fer de lance de ce mouvement anti-moderne, c'est un mouvement clandestin, violent, qui est inspiré fortement par la propagande du Comité Invisible. Et je remercie les ressources humaines de mon cégep parce qu'on est menacé physiquement et on a organisé ma protection physique à l'intérieur du cégep, parce que ce mouvement anti-moderne a aussi un fer de lance clandestin violent et on n'en parle pas assez. Merci, monsieur. Okay, je ne sais pas. Oui. Parce que François. Spontanément, là, je veux juste oui. quand même distinguer. D'abord, je trouve ce qui vous est arrivé à la fois inquiétant et typique. De ce qu'on constate dans les universités. Je vous dirais la chose suivante. Là, il faut... Ce soir, on a été amené à parler du multiculturalisme, du mouvement de la diversité, d'y réfléchir, comment y répondre, dans le contexte, évidemment, des intellectuels pour la souveraineté, ce qui nous a amené à parler de la situation québécoise. Mais il faut faire attention, là, c'est que cette idéologie est devenue dominante et nous qui estimons que l'indépendance du Québec
serait une bonne chose. Devons évidemment faire face à ça, cela dit. De la même manière que ce n'était pas que le Québec qui était affligé par le mouvement marxiste dans les années 70, il n'y a pas que le Québec qui est pris avec le problème, la problématique woke. Et donc, c'est-à-dire que moi, à mon université, vous avez des anglophones qui résistent tout autant, qui s'inquiètent parce qu'ils s'inquiètent des effets de ce mouvement sur leurs enfants. Ils s'inquiètent sur la possibilité des embauches, sur la possibilité d'avoir une vie de l'esprit, par exemple, à l'université, puisque c'est ce qu'il faut dire, c'est que ce mouvement qui se présente comme un mouvement d'équité, de diversité, d'inclusion, est un mouvement sectaire, violent, qui empêche la parole, qui cherche activement à empêcher les gens de parler, et ainsi de suite. Et ça, il y a des gens partout en Amérique qui sont susceptibles de le faire. Il y a des Noirs américains qui sont aux premières loges de ce combat-là. Je pense aux écrits de John McWhorter, qui sont absolument éblouissants d'intelligence, de capacité d'avoir compris ce qui se joue. Je pense à Coleman News aux États-Unis aussi, qui fait exactement le même travail. Je pense à un Québécois que je ne connais pas, qui s'appelle Stéphane Fauguin, donc je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais qui prend régulièrement la parole pour dire, écoutez, ce mouvement-là n'a strictement aucun sens. Et donc, effectivement, c'est un mouvement qui est absolument inquiétant parce qu'il s'attaque au fondement même de la possibilité de penser. Et ça, c'est très inquiétant. Donc là-dessus, donc il y a deux combats. Moi, franchement, je n'ai rien à ajouter à ce que dit Dieudonné tout à l'heure sur le combat qui vise à convaincre les Québécois de toutes les origines ou issus de la diversité à se joindre à ce combat. Je le rejoins. Je pense qu'il a il est bien mieux branché sur le terrain et je le suis fidèlement là-dessus. Cela dit, le combat contre le wokisme, c'est pas très compliqué. Ça prend du courage et il faut empêcher partout où c'est possible, de faire entrer des bureaux EDI, des formations EDI, et il faut les présenter pour ce que c'est de l'endoctrinement. Et vous allez voir la façon dont ils fonctionnent, et ça peut me permettre peut-être de dire un mot sur l'affaire Lieutenant Duval. Quand l'affaire Lieutenant Duval, que j'ai bien connue, et puis si ça vous intéresse, vous achetez le livre, moi je pense que c'est un must, là, publié par les 34 professeurs de l'Université d'Ottawa qui ont été soumis donc à l'opprobre pendant la « Oui, merci, Michelin ». Écoutez, on a toujours l'impression qu'il y a une crise, on trouve ça stupide, puis c'est fini. Non, le mouvement EDI se propage par les crises. C'est ça, sa marque de commerce. Donc là, il y a eu une crise à l'Université d'Ottawa. Depuis, vous pensez que c'est terminé à l'Université d'Ottawa? Non. En réaction, on a décidé de faire de la formation EDI. En réaction, vous voyez ce qu'on a décidé de faire? C'est dans la convention collective maintenant que les professeurs ne peuvent pas voter en assemblée pour les nouvelles embauches, à moins d'avoir pris une formation EDI. Donc, moi, je n'ai plus le droit de vote pour les prochaines. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui se produit? On n'embauche que des gens qui sont à leur tour endoctrinés. Et on peut poursuivre. Donc, on modifie les conventions collectives, on change. Et toujours, et ce qui arrive, c'est que la vaste majorité des gens sont de bonne foi. Ils disent, l'EDI, c'est être pas raciste, donc je suis favorable à ça. À la vérité, il faut stopper ce mouvement et montrer ce que c'est. C'est un mouvement raciste et ceux qui pensent sincèrement qu'on ne devrait pas juger les gens sur la base de la couleur de leur peau doivent se mobiliser pour l'empêcher, ce mouvement-là, effectivement, et le nommer, dire ce que c'est, pour ce que c'est. Voilà. David Dieudonné, peut-être? Je pense que Micheline voulait intervenir. Oui. Je passerai donc la main à Micheline. Ensuite, on a une main levée de Madame Chantal Doré. Micheline, je vous en prie. Oui, pardon, David, oui. J'avais trois questions à poser aux trois invités. Mais là, l'affaire Verouchka, lieutenant Duval, ça a été abordé là par François. La question, c'est la question de la formation obligatoire. Moi, même si je suis professeur à la retraite et professeur émérite, j'ai suivi une formation exigé par l'UQAM. J'ai trouvé ça totalement scandaleux. Mais j'aimerais avoir votre opinion dans ce sens. Qu'est-ce que ça a comme effet très concret sur vos carrières? Secondo, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, euh,
Attendez, là, je viens de perdre mon idée. Vous pouvez commencer par cette question-là. Ah non, c'est ça. C'est la question des rituels. Par exemple, à Concordia, un collègue me raconte qu'avant chacune des réunions, quelle que soit leur importance, il faut faire une déclaration concernant qu'on est sur un territoire non cédé. Et mon collègue dit, mais si c'est ça qu'on paie des impôts, pourquoi on ne paie pas d'impôts aux Autochtones? Ça devient un rituel obligatoire, mais c'est encore là, comme la formation obligatoire, c'est étouffant. Alors, des professeurs qui ne sont pas d'accord avec ça, pas, même s'ils étaient d'accord sur le fait même qu'on est sur un territoire non cédé, mais que ce soit obligatoire lors de réunions, dans n'importe quel type de réunion, ça apparaît une censure, une oppression, pour moi, de mon point de vue. Et là, j'aimerais vous entendre si vous avez eu des expériences vécues sur le sujet. Je vais prendre la parole. Je vais revenir sur cette question-là là, des rituels. Mais premièrement, je pense que le nerf de la guerre, si on veut, là, c'est une expression, évidemment, on n'est pas en guerre, c'est la question des comités d'embauche, comités de sélection. Hein, c'est-à-dire qu'on est toujours choisi, là, je ne suis pas à l'université, là, donc vous me direz si je me trompe, mais on est toujours sélectionné par des pairs, donc par d'autres professeurs. Et j'ai l'impression que ce processus-là tend à une forme d'homogénéisation idéologique du corps professoral, surtout à l'époque de l'EDI. C'est-à-dire justement, comme M. Charbonneau le dit, ben, les nouvelles embauches, tous ceux qui vont être sur le comité d'embauche vont être des personnes qui adhèrent d'une manière ou d'une autre à cette idée-là d'EDI parce qu'ils ont eu la formation et même pour avoir les fonds des chaires de recherche du Canada. Puis on sait que la question des fonds, c'est primordial en recherche. Bien, on a besoin de montrer qu'on adhère à ces principes-là. On a besoin d'avoir puis ça, d'ailleurs, je peux inviter les auditeurs à regarder sur le site des chaires de recherche du Canada. Il y a toutes les règles, les règlements qu'on doit respecter pour avoir le DI. Et ça ne finit plus, là, ça ne finit plus. Donc, j'ai l'impression que cette idée-là, le comité d'embauche, le comité de sélection par des pairs favorise une forme d'homogénéité idéologique. Et donc voilà. Les nouveaux profs, c'est à peu près impossible, si on est critique de ces idées-là, de devenir prof, en fait. Moi-même, tu sais, j'ai fait mes deux maîtrises, je me suis posé souvent la question, est-ce que je continue au doctorat? Ça m'intéressait. Mais en même temps, je suis pas fou, là. Je m'imagine bien que les perspectives d'emploi à l'université, pour moi, sont pas incroyables, là, parce que je me fais très critique dans les médias publics de ce genre d'idées-là. Donc voilà. Donc, moi, j'encourage vraiment les professeurs qui sont permanents. Là. Je vois, ben, Mme Labelle a dit qu'elle était retraitée, M. Charbonneau, M. Oyono qui est chargé de cours. Donc, de prendre la parole publiquement, c'est ces personnes-là, je pense, qui peuvent réussir à changer quelque chose parce que c'est les nouveaux professeurs ou ceux qui tentent de devenir professeurs, ça va être très, très difficile pour eux. Pour ce qui est des rituels, c'est un petit peu infantilisant. L'autre fois, j'étais au théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme, justement. Et juste avant la présentation, on parlait de ça. C'est-à-dire, c'est un peu hors sujet. En fait, c'est très hors sujet. Et puis, on infantilise les gens. Heureusement, au secondaire, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais ça viendra peut-être, qui sait. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, premièrement, je fais toujours attention parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent ce que moi j'appelle la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que si je suis noir, puis je regarde un blanc, puis je me dis, je n'ai pas été victime personnellement. Donc, c'est loin. Je sais que ça existait. Mais je sais en même temps qu'il y a des gens qui sont affectés par les questions d'esclavage, comme s'il l'avait vécu personnellement. Puis j'ai beaucoup de respect pour ça, mais moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, donc je garde une certaine distance. De la même façon, je pense que si on se met de l'autre côté, je ne peux pas imputer une responsabilité personnelle à quelqu'un qui est juste, je dis, qui ne se reproche absolument rien. Mais j'ai comme l'impression que des fois, dans tous ces mouvements-là, on dit, ben, toi, t'es blanc, t'es noir, t'es victime, puis l'autre est ceci, alors que ça n'a pas raison d'être.
C'est-à-dire que je ne peux pas tenir quelqu'un personnellement responsable. Ce n'est pas normal qu'on dise à quelqu'un, tu ne peux pas être prof dans une université parce que tu es blanc. Je veux dire, si on arrive là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société. Ces cours-là, on les suit. Mais moi, je suis foncièrement convaincu qu'il n'y a aucun individu qui se lève le matin puis qui dit aujourd'hui, je vais être raciste, je vais poser tel acte. Ça n'existe pas. Donc, je questionne toujours la pertinence, l'importance de tous ces cours-là. Qu'est-ce que ça donne à la fin? Je l'ai écrit dans un texte récemment. Ça donne une bonne conscience à des gens. Moi, ça ne change absolument rien. Là. Des fois, quand on dit on est sur un territoire non cédé, des fois, je me dis, ben, OK, de quoi on parle? Donc, les gens veulent se donner bonne conscience en faisant des déclarations, en posant certains gestes. Mais au fond, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? J'ai des sérieux doutes. Moi, je trouve ça pire que ça. Je le vois presque comme un pied de nez. Ah, hein, on a pris votre territoire. Puis on vous le rappelle à chaque fois. Je trouve ça dégueulasse. Ah, c'est tout, tellement vrai. C'est dégueulasse. C'est parce que si, regardez, ces gens-là ne sont pas sérieux, là. Ce que Dieudonné vient de dire, c'est tellement important. Regardez, vous êtes prof blanc de 50 ans, puis vous dites, à partir de maintenant, on embauche juste des Noirs. Ça veut dire que tu fais subir ton principe à la plus jeune génération. Mais si tu es sérieux, démissionne. Si tu es sérieux, remets ta démission, puis là, je vais avoir un respect pour toi. Fais de la place avec ta job à toi. Mais imposer ce principe-là à la prochaine génération de quotas, c'est insultant pour deux raisons. La première, c'est que tu fais subir ton principe à la prochaine génération. La deuxième, c'est que ça suppose que les Noirs, ou peu importe, ne sont pas capables d'avoir ces jobs-là autrement. Puis en plus, ça met une espèce de pression sur la personne qui vient d'avoir l'emploi, un soupçon qui va accompagner cette personne-là toute sa vie. Regarde, Joe Biden aurait pu nommer, Mme Ketanji aurait pu avoir la... Malheureusement, je ne me souviens pas le nom, là, mais elle a toutes les qualités, personne n'a doute, de sa qualité personnelle pour avoir le poste. Mais la façon dont on l'a nommé jette un doute. Et ça, c'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un. Ils auraient pu faire tout le processus, la mettre... Elle a passé un sale temps au moment des questions, mais tous les candidats passent le même sale temps, peu importe votre orientation politique. Il faut voir les questions qu'on posait aux candidats conservateurs. Mais donc, d'annoncer d'avance comme ça qu'on prend un critère arbitraire que tout le monde ne peut pas rencontrer est absolument scandaleux. Donc, la question de Micheline, c'est que tout de même, comment ça affecte votre carrière? Écoutez, moi, j'ai la chance d'avoir été embauché juste avant toute cette folie-là. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Je pense que j'aurais été inembauchable aujourd'hui. J'ai des bonnes conversations avec mes étudiants avant qu'ils commencent leur doctorat, en leur disant, écoutez, si vous faites un doctorat avec moi, dépendant, là, vos chances d'embauche peuvent être limitées pour deux raisons, la couleur de peau, mais aussi d'avoir travaillé avec quelqu'un qui prend la parole contre le mouvement woke. Là, mes lettres ne valent rien dans le milieu universitaire, malgré la qualité des candidates et des candidats qui travaillent avec moi. C'est surtout pour les subventions. Moi, c'est strictement impossible. J'ai fait une demande il y a quelques années et j'ai vu tout de suite là, que enfin, là, bon, dans les lettres qui étaient dans les évaluations, c'était clair que ces gens-là n'ont même pas pris le temps de regarder mon projet. J'ai été évalué sur la base de l'absence de diversité de mon équipe de travail. Alors, par ailleurs, il y avait plus de femmes que d'hommes dans l'équipe. Et bon, donc, on aurait pu voir la diversité d'une autre façon. Il y avait des gens de 4 universités différentes du Canada, de l'Est, de l'Ouest, du Québec, de l'Ontario, et ainsi de suite. Donc, c'est une manière très précise de voir les questions de la diversité. Et donc, je trouve que c'est dommage, tout ça. C'est peut-être une mauvaise période ou un mauvais moment à passer parce que, par ailleurs, il y avait des choses effectivement à changer. Ce serait attendu une plus grande sensibilité. C'est vrai qu'il y a 20 ans, la télévision québécoise, c'était monolithique. Et c'est vrai qu'il y avait des modifications qui étaient apportées. Mais quand vous introduisez, au lieu de se faire de manière naturelle, ces transformations-là, elles se font de manière précipitée avec des quotas qui touchent d'ailleurs à la liberté des artistes, qui touchent à la création des artistes, et ainsi de suite. Puis au final, ça ne fait pas des relations sociales apaisées. C'est-à-dire, c'est comme si le changement normal
souhaitable de voir des gens qui viennent de partout à la télévision québécoise parce qu'on se dit, coudonc, c'est tous des Québécois. C'est l'impression qu'on a, qu'on entend des accents québécois et ainsi de suite. Au lieu que ça se fasse normalement, là, c'est comme si ça se faisait forcé, obligé. Et ça, je trouve que c'est faire un très mauvais service à la qualité et au talent des gens qui proviennent de partout et qui, là, on a un doute. Y es-tu là parce qu'il a été choisi en fonction d'un quota? Encore une fois, je trouve ça épouvantable de faire quelque chose comme ça. C'est comme si on n'avait pas réfléchi à ces conséquences-là. Voilà. Donc, c'est mon impression. Permettez-moi d'ajouter juste une information. Depuis les années 80, on a été interpellé dans les universités à mettre sur pied des programmes d'accès à l'égalité en emploi, dans l'embauche, donc, mais à compétences égales. C'est ça qui fait la différence avec les quotas. D'accord? Et partout au Québec, c'est ça qu'on a respecté. L'idée de quotas vient des États-Unis. Et c'est ça qui change tout. Parce que quand on dit « il y a compétence égale », il n'y a personne d'exclu. Il faut vraiment que ça… Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait des quotas, quelqu'un l'a souligné, je pense que c'est toi, François, qui viens de le souligner, ça peut être très humiliant pour les personnes qui entrent. Moi, je n'aurais jamais aimé avoir été embauchée dans le cadre d'un quota. À compétence égale, oui, peut-être comme femme, à l'époque, peut-être plus maintenant. Mais il y a une différence majeure. Le débat aujourd'hui est vicieux, en fait, ou vicié. On parle de discrimination positive dans les journaux. Ce n'est pas de la discrimination positive. On parle, le fond de la question qui est légitime, c'est l'action, affirmative action aux États-Unis ou accès à l'égalité en emploi. Il y a une différence majeure dans l'esprit de son application et ajouter à ça à compétence égale. C'est d'ailleurs pour ça que tous les parlementaires à l'Assemblée nationale ont condamné ce qui s'est passé à l'Université Laval, parce qu'il y a une loi québécoise qui s'applique et qui n'amène pas ce genre de Exactement, c'est dans la culture politique du Québec, ça. Effectivement. Je vais me permettre de passer tout de suite la parole. Ah, excuse-moi, David. J'ai pas eu le temps. Oui, vas-y. Et j'ajouterais aussi que plus en plus, on entend une espèce d'idée, et même souvent c'est dit explicitement, qu'une minorité doit penser de telle manière. Il y avait Joe Biden qui l'avait dit aux dernières élections, qui avait dit si vous hésitez entre moi et Trump, ben, vous n'êtes pas noir. Vous n'êtes pas un noir, vous n'êtes pas un vrai noir. Hein? Il avait dit ça. Bon, évidemment, j'ai pas beaucoup d'estime pour Trump, mais il y a quand même quelque chose de totalement incroyable, puis c'est authentiquement raciste, je pense, de dire si tu votes pour telle personne, ben t'es déchu de ta couleur de peau, t'es plus un noir soudainement. Donc, j'ai l'impression que plus ça va, et plus on entend cette idée-là que finalement, un noir doit penser comme ça. Puis c'est un peu ça qu'on sous-entend aussi quand on dit tel panel manque de diversité, c'est qu'on s'attend que finalement, le noir doit penser comme ça. Donc oui, c'est un petit peu bizarre là, qu'on assigne finalement la position politique de la personne selon la couleur de sa peau. Une forme de retour à l'essentialisation finalement. Madame Doré, vous levez la main virtuelle depuis longtemps. Je vous cède la parole tout de suite. Chantal Doré? Oui, Madame Doré, Chantal Doré. Qui passe ça? Alors, elle s'est peut-être absentée. Je vais poser une question que l'on a reçue sur Facebook il y a quelques minutes maintenant, qui soulignait ton propos, David, justement sur la question justement de la réfutabilité. Hein. Est-ce que vous pourriez éventuellement prolonger la réflexion, alors j'ai plus la question sous les yeux, je n'étais pas préparé à la situation, mais est-ce qu'on pourrait prolonger la question de la réfutabilité de Popper qui justement va complètement à l'encontre justement des travaux des personnes qui se revendiquent du mouvement woke et singulièrement du constructivisme radical, je pourrais dire ça comme ça certainement. Je pourrais continuer un peu. Un des problèmes, c'est que et je vais faire un peu de pouce sur ce que François Charbonneau disait au début de présentation, ben, le critère de rationalité sur lequel se base Karl Popper pourrait être identifié comme une espèce de vecteur d'oppression.
C'est-à-dire qu'on ne s'en sort jamais. Il n'y a aucun critère qui nous permet de déterminer la validité ou la vérité d'une thèse, si ce n'est que cette espèce de mythe que tout est une oppression. Ça, on doit le considérer comme vrai fondamentalement. Hein, c'est comme le point zéro du relativisme, si on veut. Mais même cette idée-là de dire que la rationalité doit guider le discours public, bien, ça, c'est on pourrait le wokisme pourrait le remettre en question. Donc voilà, ça ne s'arrête jamais. Et on peut se dire, bien, sur quoi on peut s'entendre là, pour discuter? Parce que c'est ça, en société, hein, on pourrait parler des raisons communes, sur quoi on s'entend pour discuter. Ça nous prend un terreau commun, si on veut. Bien, on se demande véritablement avec le wokisme, c'est quoi ce terreau-là, si ce n'est que l'Occident est coupable de tous les crimes. C'est un peu ça le point. Donc, ce serait ma réflexion sur la question. Parce qu'effectivement, les règles du jeu communes, hein, si on file la métaphore du hockey, là, comme Dieudonné nous proposait tout à l'heure, effectivement, ces règles du jeu sont mises à terre. Alors, comment effectivement on peut discuter en remettant en cause des principes scientifiques fondamentaux de base? Peut-être François, peut-être Dieudonné? Comment trouver un terrain de conversation conjoint? Oui, puis je vais même acheter juste quelque chose. Même dans les champs de recherche du Canada, de plus en plus, on dit qu'il faut valoriser les champs de recherche justement qui vont au-delà des critères traditionnels occidentaux, donc de rationalité de science, ce qui est d'ailleurs franchement condescendant pour les minorités, comme si eux, ils ne pouvaient pas être rationnels, puis qu'eux autres, ils étaient dans l'émotionnel. C'est un peu le discours que certains, un discours macho que certains pouvaient avoir il y a quelques temps, là. Ah, les femmes sont trop émotionnelles pour être à l'université. Donc oui, c'est assez condescendant et blessant. Là. Florence, c'est une bonne question. Je voulais quand même souligner que, comme des mouvements que je qualifie d'extrémistes, là, probablement, j'ai pas le bon qualificatif, c'est sûr que quand je compare l'impact ou le bruit que ces mouvements font versus leur composition, il y a quand même un écart important entre les deux. Autrement dit, il y a un terrain d'entente qui existe, si je prends la situation du Québec, entre des Québécois d'adoption dans leur grande majorité et le reste des Québécois. C'est juste qu'il y a une partie qui est très bruyante, qu'on entend, qui prend beaucoup de place dans l'espace public pour toutes sortes de raisons, ce qui fait qu'elle vient occulter les autres. Et avec avec ces groupes-là, je ne pense pas qu'on va trouver un terrain d'entente, parce que David l'a bien démontré. À partir du moment où on ne s'entend plus sur les définitions de que... En fait, quand on dit un mot, ce que ça signifie, ben, on ne peut pas faire le chemin ensemble. Parce qu'en partant, on ne s'entend pas là-dessus. Et c'est comme si en partant, tout ce que je veux, c'est que tu te sentes coupable, que tu t'excuses et que tu me donnes réparation parce que tu es coupable de quelque chose. Donc, moi, j'ai fait de la négociation un peu dans ma vie, là, si on veut se rencontrer. Puis il faut que les deux avancent, fassent des pas pour se rencontrer. Mais si moi, je dis, bien, je suis légitime dans ma position, c'est toi qui dois bouger, bien, on ne s'entendra jamais. Mais il y a quand même un espoir parce que pour côtoyer plein de monde, je pense que la grande majorité, là, quand je parlais de valeurs tout à l'heure, se retrouve dans ces valeurs-là et on est capable de bâtir quelque chose avec eux. Oui, moi je suis peut-être un peu plus pessimiste que mes collègues, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire que je suis plus là-dedans au quotidien. Là. Moi, j'ai l'impression d'être à l'épicentre du wokisme à travers le Canada, le département de sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Je veux dire, si vous voulez voir le wokisme en action, là, c'est là et pas ailleurs. Ce qui est inquiétant, c'est que en fait, c'est une religion, c'est-à-dire c'est une secte de croyants. Et donc, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est profondément convaincu de sa croyance. Ce n'est pas que je ne veux pas discuter, c'est qu'on n'a pas de critères de dialogue et de critères de discussion. Ce n'est pas que je ne veux pas entendre, c'est que, évidemment, bon, là, je ne veux pas refaire la démonstration très éloquente qui a été faite par David Santarosa, mais c'est le problème fondamental. Donc, il y a ça. Et
Mais donc, on en a eu d'autres moments comme ça. On a eu les Mao dans les années 70 qui avaient une pensée qui ressemblait beaucoup à ça, mais il y avait une maudite différence. Les Mao n'étaient pas recteurs d'université. Je ne sais pas si vous avez une idée, là, mais on a 50 universités au Canada qui ont signé la charte de Scarborough, qui est une charte, effectivement, qui reprend tous ces termes-là. Et ça a été fait en plein pendant la crise lieutenant Duval. Hein? Chaque fois, c'est comme ça que ce mouvement-là fonctionne. Il y a une crise, il faut faire quelque chose, charte de Scarborough pour essayer de... Et là, évidemment, toutes les universités sont soumises à ces politiques de dénonciation du racisme anti-noir, et ça ne finit plus. Alors, d'habitude, ces mouvements-là, les mouvements sectaires religieux... ce sont des mouvements à la recherche de la pureté. Donc, comment ils disparaissent dans le temps? C'est qu'il y a toujours, moyen d'être plus pur que les purs. Regardez sur Twitter comment ça fonctionne, c'est-à-dire les plus purs, ceux qui dénoncent le plus, ils font un faux pas à un moment donné, ils ont dit un mot d'une mauvaise façon, quelqu'un leur rentre dedans, et là, ils sont à leur tour ostracisés. Donc, ces gens-là finissent par se bouffer entre eux. Là. Il y a plein d'exemples. Là, dans une université... américaine, il y a pour femmes, il y a une jeune femme qui se sentait homme, qui est donc devenue un homme, mais elle était à la tête, elle était présidente de l'association étudiante. On l'a attaquée parce qu'elle contribue au patriarcat, il ne devrait pas avoir d'homme. Donc, vous voyez le genre de bêtises auxquelles on. Dans quel espèce. Et donc, c'est vraiment le même principe que ce qui est arrivé à Salem avec les sorcières. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens se sont rendus compte, si on n'arrête pas ça, on va tous se faire traiter de sorcière, on va tous se ramasser sur le bûcher. Donc, moi, je pense que dans 10, 15, 20 ans, ce qui va arriver, c'est que les mêmes personnes... Lisez le dernier roman ça s'appelle « Le voyant des tempes » d'Abel Quentin. C'est un bijou. Et il y a un passage, à un moment donné, il dit « Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils ne s'excusent jamais. » Et je peux vous assurer que dans 15 ans, ils vont nous dire que le wokisme, c'était une folie, que ça n'avait pas de sens, qu'au fond, c'était aussi une manifestation de racisme. Ces gens-là vont être à la tête des institutions, des universités, vont être à la tête de tout ce que vous voudrez, et ils vont trouver ça très drôle. Hein? On est un peu jeunes et fous, mais pendant ce temps-là, ils détruisent des vies. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ces gens-là détruisent des vies. C'est fascinant. C'est un mouvement de progrès social qui attaque les gens, qui détruit des vies, qui est dans l'insulte, qui veut interdire la parole, et ainsi de suite. Alors, moi, je pense qu'il faut le dire, c'est une secte, c'est ça qui se passe. D'ailleurs, on se trompe, un mot là, pour finir, on se trompe en essayant de défendre la liberté universitaire. La liberté universitaire, c'est bien, là, mais c'est pas ça qui se passe dans les universités. Bientôt, on va avoir toute la liberté qu'on a besoin avec juste des membres d'une secte dans les universités. Elle va donner quoi, la liberté, pour des gens qui tremblent à l'idée même de penser par eux-mêmes? Donc, il faut faire attention, là. C'est pas ça l'enjeu. Il y a des sectes qui prennent le contrôle des universités petit pas par petit pas. Ils sont dans le long terme, ils savent ce qu'ils font. Donc, il faut le dire. Ce sont des racistes, ce sont des sectaires, ce sont des intimidateurs. Il ne faut pas avoir peur qu'ils nous insultent, puisque nous avons avec nous la rationalité, nous avons avec nous la bonne conscience. Il faut les arrêter. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va prendre du courage. Voilà. Je peux vous dire, si tu permets, Florent. Bien sûr. J'ai enseigné sociologie du racisme pendant 25 ans. J'ai enseigné matérialisme historique. J'avais dans ma classe des trotskistes, des maoïstes, etc. Jamais il y avait un climat comparable à ce qui se passe actuellement. Et ce n'était pas des sectes, c'était des débats. Et en sociologie du racisme, il n'y avait pas de tabou. On pouvait donner des exemples des préjugés racistes sans que ça soit considéré comme des micro-agressions. Et au bout des cours, en général, il y avait un climat partagé d'une impression d'avancement des connaissances. Et je peux vous dire maintenant que je ne l'enseignerai plus jamais, ce cours, dans une université, dans le contexte actuel, et que j'ai beaucoup d'empathie pour vous. Beaucoup. Merci pour ton témoignage. Je vais proposer de passer la parole à une dernière personne, Monsieur Gaston, pour une question la plus rapide possible, s'il vous plaît, et puis je passerai ensuite la parole à nos panélistes pour un dernier tour de table qui lui aussi serait rapide. La parole est à vous, monsieur.
Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, oui. OK. Je vais faire ça vite. Moi, je voudrais souligner la façon trompeuse dont ils utilisent souvent les statistiques. Par exemple, ils nous disent, s'il y a 5 % d'Autochtones dans la société canadienne, dans chacune des universités canadiennes, il devrait y avoir 5 % de professeurs autochtones. Ça marche bien. Sauf que on recrute des professeurs d'université ou pas dans la société en général, on les recrute parmi ceux qui ont un doctorat. Là, le bassin est beaucoup plus petit. On peut arriver à des situations où on a zéro autochtone. Puis c'est parfaitement normal. S'il y a zéro autochtone, bien, à ce moment-là, il faut aller en amont. S'il en manque là, c'est parce que là, bien, c'est au deuxième cycle ou au premier cycle. On peut même reculer jusqu'au cégep. Fait qu'il faut avoir une égalité partout sur l'échelle jusqu'à l'université pour pouvoir exiger d'avoir une égalité statistique dans les professeurs, ce qui est un peu ridicule. En d'autres termes, je me permets de reformuler, c'est tenter d'accéder à l'égalité sans se donner les moyens de parvenir à l'égalité. C'est tenter l'égalité à peu de frais. Mais juste en passant, c'est que je comprends cet argument-là, mais on reste plongé dans leur propre logique. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est en train d'essayer de dire, ben, finalement, le pourcentage, c'est peut-être pas le bon. Si on regarde d'ailleurs, on va se rendre compte qu'on va essayer d'avoir quelque chose qui ressemblerait au pourcentage, par exemple, de gens issus des nations autochtones. Et puis, on essaierait de faire le matchage, mais à un autre degré en fonction des bassins. D'ailleurs, votre intervention est très bonne parce que vous savez, c'est un problème en ce moment. On se les arrache. Hein, les universités veulent avoir. Donc, il y a zéro barrière en ce moment. C'est contrairement à ce qu'on nous prétend, il y a zéro barrière. Si vous êtes quelqu'un qui a un doctorat et vous êtes un autochtone, vous êtes embauché demain matin dans n'importe quelle université au Canada. Donc, c'est pas vrai qu'il y a de barrières systémiques, au contraire. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pour remplir ces quotas, écoutez, on peut pas y arriver parfois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, ben, faut prendre, par exemple, des gens qui vont venir de l'étranger pour remplir un quota. Donc, même si on admettait l'idée que le quota a un sens, pour dire, écoutez, dans la population canadienne, il y a tant de pourcentage de Noirs et donc il faudrait que ça se reflète dans les universités. Une idée qui, en théorie, du moins, n'est pas folle. On imagine que ça pourrait avoir un certain sens. Après tout, s'il y a des trop grands écarts, il doit bien y avoir un problème quelque part. C'est ça l'instinct des gens qui nous informent qu'il faut donc s'assurer d'un certain respect des statistiques. Mais la vérité, c'est que, regardez, si on met des quotas, au moins ça devrait servir à permettre effectivement à des jeunes Noirs qui sont venus au monde ou qui sont immigrants ou qui ont la citoyenneté ici à accéder à notre université, mais on n'y arrive pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on embauche des gens à l'international, et moi, j'ai vu et j'ai entendu ce genre de discussion-là. Donc, des gens qui, parfois, dans leur propre société, ne se posent aucune question raciale parce qu'ils viennent d'un pays où les Noirs ne sont pas en minorité, puis on les embauche pour faire... Enfin, pourquoi exactement? C'est-à-dire, pourquoi le critère racial a joué? Si on a la compétence, et c'est très fréquemment le cas, on devrait les embaucher sur la base de leurs compétences, puis la couleur de leur peau devrait avoir aucune espèce d'importance. Mais non, on les choisit pour régler un problème qui ne se pose pas dans leur pays. Puis ici, ils viennent jouer le rôle de remplir une statistique qui aurait un sens pour la population générale. Vous voyez, ça n'a strictement aucun sens. Donc l'enjeu des statistiques, c'est un enjeu complexe. Je terminerai en une phrase. Et la vérité, là, c'est qu'on utilise les statistiques qui nous intéressent là-dedans. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même important, on a un sévère problème avec les universités en ce moment. Encore une fois, on est à 65 % de nos diplômés qui sont des femmes. C'est une crime de réussite, ça, dans les 50 dernières années. Dites ça aux femmes. En 1960, en 2022, mesdames, vous allez être 65 % à sortir des universités. Personne ne vous aurait cru. On peut se féliciter de cette réussite-là. Est-ce qu'on peut s'inquiéter du fait qu'il y a quand même beaucoup moins d'hommes maintenant qui font des études supérieures? Ça a des effets, hein, d'ailleurs, pour les couples. Hein? Beaucoup de ces femmes diplômées sont célibataires parce que
elles ne veulent pas être avec un gars de la... Je suis désolé, là, mais ça se vérifie sociologiquement. Beaucoup restent célibataires parce que beaucoup de femmes aimeraient avoir un conjoint qui a une scolarité équivalente, conjoint ou conjointe une scolarité équivalente. Donc, ça a toutes sortes d'effets sociaux. Mais si aujourd'hui, vous prenez la plume pour dire, écoutez, on devrait s'inquiéter de ça, il n'y a personne dans les bureaux EDI qui vont dire, bien, effectivement, la statistique... Ah, on s'en fout de cette statistique-là. Si c'est des hommes ou si c'est des blancs qui ça affecte, on s'en tape des statistiques. Mais ça, sur le long terme, pour la paix sociale, c'est impensable. Parce que les blancs, ça reste des majorités. Puis ce que ça donne, ce genre de discours-là, c'est Trump. Le monde vote pour Trump pour faire face à ça, à cette folie-là. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en deux mots, on en choisit un terrible. Donc, il faut en sortir de ces bêtises. Et encore une fois, et là, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit ces gens-là sont membres d'une secte. Alors, je vais le dire de la façon suivante. Je vois les woke comme des victimes d'une idéologie. De la même manière que j'ai le même regard de pitié envers quelqu'un qui s'est fait happer par la scientologie. Il faut leur faire comprendre. Donc, il ne faut pas reproduire le schéma par lequel on les repousse. Il faut leur faire comprendre qu'ils se trompent. Mais ça, c'est très, très difficile à faire. Mais ça arrive. On se fait happer par des sectes. On peut se faire happer par une secte idéologique. Et c'est ce qui leur est arrivé. Et là, il faut trouver la manière de dialoguer. Je ne l'ai pas. Mais en tout cas, au moins, faire état des effets négatifs et délétères qu'ils ont dans la vie des gens qu'ils happent, comme ça a été le cas de Virouchka, lieutenant Duval. Merci beaucoup. Peut-être une réaction de David et de Dieudonné. Je vous en prie, oui. David, pardon, je t'ai vu acquiescer. Oui, je peux y aller. Tout à fait, la question de la représentation raciale, elle doit être remise en question de front, pas juste de chercher le chiffre qui fait notre affaire. Ça, je pense que c'est vrai. Puis aussi, on peut se poser la question, au-delà de ça, pourquoi ce serait la représentation raciale qui serait la chose la plus déterminante? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que les régions du Québec, est-ce que les professeurs issus des différentes régions du Québec sont représentés de manière proportionnelle dans les universités? Tu sais? Ça se pose la question. Donc, en fait, c'est ça la question que je pose, c'est pourquoi le critère racial primerait sur les autres qui seraient plus représentatifs? J'ai écrit un texte récemment sur cette question-là dans la presse. Selon les critères actuels de représentation raciale, la fille de Grégory Charles va avoir cet avantage-là par rapport à le fils d'une coiffeuse à La Tuque, par exemple. Alors évidemment, on tombe dans une situation assez farfelue et historiquement, on a fait une espèce de... Je pense pas qu'on peut appeler ça de la discrimination positive, mais on a essayé de favoriser l'égalité des chances, par exemple, en donnant... des bourses plus importantes à des personnes issues des milieux plus défavorisés. Bien, ça, je pense que c'est le genre d'avenues qui sont intéressantes, qui font relativement consensus, je pense, dans la société québécoise, et ça fonde une espèce de solidarité sociale sur l'empathie, sur l'entraide, et non sur la culpabilité des privilégiés qui ne sont pas tout le temps privilégiés, justement. Donc voilà. Merci beaucoup. Dieudonné, peut-être, pour conclure. Je suis peut-être un dinosaure, là. Pour moi, je considère que les universités sont des espaces assez particuliers. En tout cas, quand je faisais mon doctorat, on fait un doctorat parce qu'on veut faire avancer la science. Avant tout, là, à moins qu'on me dise qu'entre-temps, là, il y a des choses qui ont changé, puis que là, il faut aller chercher les gens de toutes les races, de toutes les couleurs, parce qu'on veut faire autre chose. C'est pour ça que j'ai comme l'impression que quand on parle des institutions, puis là, on dit on a une politique qui fait en sorte que les ministères, les organismes publics doivent refléter la représentation de la société québécoise. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on pousse ça aussi loin que dans des institutions qui ont une mission particulière, qu'on vient dénaturer en disant il faut absolument que, c'est là où je perds un peu le fil et... probablement, quand je parle de ça avec mes étudiants, ils doivent trouver que je suis peut-être d'une autre génération, mais c'est parce que je trouve que ça fait aucun sens. Je pense que ça aurait été finalement le maître mot de la soirée. Ça ne fait aucun sens. Ça a été répété à plusieurs reprises, parfois dans des termes différents, mais le fond était toujours là. Écoutez, je vous propose de conclure notre soirée ainsi.
vous Est-ce qu'on m'expliquez. aura accès à tout, aux trois interventions du début? Oui, tout à fait. Alors, vous faites très bien de poser la question, André. Effectivement, j'allais le dire, donc, nos soirées débat sont enregistrées, elles sont diffusées sur nos différentes plateformes, Twitter, Facebook, YouTube. Et par ailleurs, donc, en vous abonnant à l'info IPSO, donc l'infolettre des IPSO, vous recevrez dans les prochaines semaines un compte-rendu donc, préparé par nos intervenants. Vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, d'adhérer aux IPSO, je me permets de le rappeler. Bref, rassurez-vous, vous pourrez disposer de toute l'information requise après cette soirée. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois de votre participation. C'était une soirée qui était animée. Merci beaucoup, Micheline, pour l'organisation. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt, à tout le moins probablement, je pense que je peux le dire, Micheline, maintenant, dans les quelques jours qui suivent la prochaine élection générale, pour notre colloque annuel. On organisera donc un colloque spécifique sur le bilan de la prochaine élection générale. Voilà. Merci encore à toutes et tous, et puis on se retrouve très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Je vais vous écrire demain.